Et bonjour les petits amis, ça y est, nous y sommes, voilà, etc. Nouvelle émission, nous sommes samedi, et voilà, nous nous retrouvons, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver, chers amis de la baronnie. Je suis très, très, très flatté de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien. À propos de fidélité et de soutien, je tiens à remercier les gens qui ont déjà participé à la cagnotte Litchi que j'ai tenté de lancer la semaine dernière et qui n'a commencé à être active que depuis jeudi. Voilà. Donc merci beaucoup déjà à ceux qui ont déjà participé. Merci énormément. Oui, finalement. La cagnotte est ouverte et disponible. Voilà, je vais me débrouiller pour vous mettre le lien là dans le chat. Si vous voulez y passer un petit tour, faire un petit tour. Mais avant, j'ai besoin de. Alors déjà, on va saluer la garde prétorienne du baron. Hein, puisque nous avions Luarn Pot de Alinfo, Obi-Wan, Farm Mackenzie qui est de garde alors qu'elle est malade. Donc on la soutient, on lui fait des câlins virtuels pour qu'elle tienne durant sa garde et qu'elle ne s'écroule pas de fatigue et de fièvre au fin fond d'un couloir où personne ne la retrouvera avant la décomposition. Enfin, bref. nous avons aussi Génocidax. Adorable Génocidax, il m'a offert d'ailleurs un abonnement à la chaîne de merde, oh, c'est grave. Non mais sans déconner, profitez tant que vous avez des neurones, c'est une catastrophe. Génocidax qui m'a offert un abonnement à la chaîne Twitch de l'homme au masque dont on ne connaît pas l'identité. Et je non mais c'est une catastrophe. Au secours, aidez-moi. Au défécator, voilà, merci. Ah oh, putain, mais c'est une catastrophe. Voilà, qui m'a très gentiment offert un abonnement à la chaîne défécator sur laquelle il travaille d'ailleurs comme modérateur, si je ne me trompe pas. Voilà. Nous avons donc aussi Erendil, nous avons Darkseid, nous avons qui d'autre. Bon, les gens se disent bonjour, ils se font des bisous, ils se font des câlins, c'est une vraie partouze de bons sentiments, c'est absolument ignoble. Alinfo, qui vient d'arriver, pas 70, puis Circé. Ah, tout de même, hein, un petit peu en retard, mais bon, pas en retard pour tout d'ailleurs, je la remercie infiniment. Elle sait pourquoi. J'en suis pas revenu. Honnêtement, hein. Il y a des gens pas raisonnables. Et en même temps, on est tellement heureux qu'ils soient pas raisonnables. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons Féo, nous avons Pierre HP, nous avons Ice Club, à qui nous demandons de faire un gros bisou à sa chère sorcière, à notre chère sorcière, parce que désormais c'est notre chère sorcière, évidemment. Nous avons Jean-Pierre 5919, nous avons Lothar 54, nous avons Jacques-Louis, nous avons Piwil Célébo, oula, extraordinaire, nous avons notre cher Guillaume de la belle province. Voilà, qui dit bonsoir, même si je ne suis pas encore tout à fait réveillé, pour comprendre. En même temps, vu les températures qu'il doit être en train de subir, je peux comprendre qu'on soit en semi-hibernation, hein, déjà. Dark Valstar, Sam Gave, puis nous avons Ardiska, puis nous avons la folle des muselés. J'ai vu passer l'avertissement qui a pris un quatrième mois d'abonnement, ce dont je la remercie infiniment. Nous avons Magmush qui insulte, qui dit bonjour aux Lyonnais et bon voilà. Bon, c'est pas une insulte, hein, c'est un peu moqueur quand même. Nous avons El Squall, nous avons le Pandarou, nous avons
qu'est-ce qu'il y a aussi? Nous avons Xenéar, nous avons Benat, nous avons Parole de Geek 69, nous avons qui d'autre? Nous avons Dradradrazit, nous avons. Voilà, donc j'ai dit bonsoir, donc voilà, tous ces gens-là, Kamarsu, voilà, tout ça, Verset What the Fuck, etc., le Pandaroun, qui me disent bonsoir quand j'ai dit bonsoir, c'est formidable. Nous avons. Jenny est là ou pas? Non, j'ai pas vu Jenny. Jean-Pierre 59, on l'a vu. Gunther Bendick. que les barons avaient perdu la terre en 1793. Pas tous, mon bon, pas tous. Certains d'entre nous fuyâmes ou nous battîmes ou n'étions pas là. Voilà, au départ. Satsujin! Mon cher Satsujin, je suis tellement content de t'avoir avec nous. Ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que tu vas mieux, que tes douleurs physiques te laissent un petit peu tranquille. Et que voilà. Alors, Satsujin, alors là, moi, il y a un truc. Voilà, alors, moi, il y a un truc qui me rabote le fondement. Voilà, je veux dire. Il a fait une vidéo en deux parties absolument formidable, comme d'habitude, hein, mais toujours aussi formidable, voilà, sur le tueur de minuit, etc. Yania. Tueur de midi ou de minuit? Non, ça va plus bien. Enfin, bref, il a fait une super double vidéo qui ne fonctionne pas. Et je n'arrive pas à comprendre comment. Je sais, je suis un petit peu naïf de me demander pourquoi du travail de qualité ne rencontre pas son public. Bon, ok. Allez voir cette putain de vidéo. Allez voir ces vidéos. Allez voir ces deux vidéos. Enfin, c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe avec YouTube, qui le plombe, qui ne le met pas en avant, qui ne le propose pas. Eh ben, essayons de contrecarrer la politique de censure de ces obsédés de pudibonds d'Américains et poussons cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allons-y, Satsujin, voilà, meurtre au Japon, et vous y allez, quoi. Vous y allez, vous regardez ces vidéos. C'est pas possible, poussons fort, titre. Voilà, poussons l'effort, ces vidéos, poussons l'effort, parce qu'ils le méritent bien. Voilà. S'il y a des gens qui pensent que c'est un titre, ben je les laisse à leur. Voilà. Comment ça, la cagnotte, elle marche pas? Mais si, elle marche. Si, la cagnotte est ouverte, bien sûr que si. voilà. J'ai le sida qui dit, je suis comme ça, je suis adorable, j'y peux rien. Oui, c'est moi, c'est comme moi. Je suis désagréable, je n'y peux rien. C'est comme ça. Je ne sais pas faire autrement. J'ai le sida qui dit, quand je cherchais le nom du défécateur, qui dit Zorro, le héros masqué. Mais qu'il est con. Mais je vous adore. Et Jani qui a pris un 8e mois d'abonnement. Merci Jani. Tu viens plus aux soirées? Voilà. Voilà, défile Perle qui de l'île Perle qui dit bonsoir Baron pour la première fois. Eh bien, bonsoir à vous, bienvenue. J'espère que vous apprécierez l'émission. William Guillaume qui dit je suis marié, ça fait des années que je viens plus. Mais putain, viens avec ta femme, c'est beaucoup plus drôle. Ardisca, moi je suis là, mais je tape peu parce que je lutte pour faire démarrer mon feu. On en est tous là. En plus, aujourd'hui, ça va être pour moi la journée la plus froide du début d'hiver 2023. Là, ça y est, on va taper du moins 10. Voilà, ça va être. On va taper du moins. Là, on est en train de taper du moins 8, moins 9, si je ne me trompe pas, dans l'endroit où je me trouve. Et là, on va taper du moins 10 à peu près. Ressenti, j'ose même pas penser ce que ça va être. Je fous pas le nez dehors, hein, soyons clairs.
Je ne suis pas un chat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Satsujin, et moi, je sens le gaz moutarde. Comment ça? Je viens de parler de toi depuis 10 minutes. Tu te fous de moi? Athéna devient irréductible. Merci, bonjour, Athéna. Tu dis je sens le gaz moutarde, quoi. Mon pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver. J'ai la chia The qui dit coucou. Honnêtement, bon, nous avons les animaux terribles. Ah, les animaux terribles et ces jeux de mots fabuleux qui rentrent systématiquement avec ces blagues en concurrence avec sorcière. Voilà, sorcière qu'on n'a pas encore vue. Voilà. qui avons-nous? Satsujin, oui, ça sent la épidémie de gastro sur le chat. Et la folle des muselés qui dit à propos des vidéos de Satsujin qu'elle mérite beaucoup plus de vues. Mais oui, absolument, nous sommes parfaitement d'accord. Disent qu'à Sazujin, ce calembour est une honte, déjà parce que c'est ta sorcière ici de faire les jeux de mollets. Grommel, grommel, grommel. Voilà, donc réaction par rapport à mes messages par rapport à la chaîne de Sasujin. C'est bon, la cagnotte fonctionne. Mais oui, mais je vous dis que la cagnotte fonctionne. Donc la cagnotte fonctionne. Il y a une commande pour la cagnotte. Bottismart, j'ai une question. Quand vous arrivez en retard, vous faites aussi des pompes? Mais non, puisque je suis l'heure, je suis à l'origine du monde. Je suis à l'origine de l'univers, donc je crée le temps. C'est vous qui n'êtes pas en phase avec moi, c'est pas ma faute. Les animaux terribles qui offrent un abonnement de niveau 1 à la communauté d'un irréductible. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, et je l'en remercie énormément. Évidemment, Guillaume qui se marre avec mes moins 10 degrés. Oui, Celsius, pas Kelvin. Ice Club, on va évoquer la soirée mémorable avec Delavier. Je sais pas si vous avez envie, oui, peut-être. Je suis pas sûr que ce soit particulièrement passionnant. Circe qui dit, mais quelle idée d'habiter chez les pingouins ninja. Deux fois, Péwan à propos de Delavier qui dit deux fois, j'ai tout réécouté pour essayer de comprendre. À part une luxation de l'hémisphère droit du cerveau, j'ai rien capté. Mais il n'y a rien à capter. Le mec n'a rien découvert. C'est tout simplement que ce type fait juste enfin, un délire qu'il justifie par un. C'est un méga sandwich. Enfin, je veux dire, c'est un. C'est même pas un millefeuille argumentatif. Enfin, je veux dire, on va dire, c'est un. On va dire quoi? Ouais, c'est un hamburger à la poutine. On peut dire que ça, hein, franchement. Salut Baron, tu as vu la vidéo Dieu existe-t-il, l'enquête ultime? Du gamin tout maigrelet là qui fait le con avec sa torche, c'est ça? Je crois que j'ai commencé le truc et puis c'est tellement ridicule que bon voilà, mais on peut la regarder hein, si vous voulez. Ah donc tu pars en imitation de Funès. Je vois pas du tout, absolument pas. Je voulais dire, absolument pas. À Lyon, il fait 3,4. 3,4 ou 34? Hum.
Moins 10, c'est moins 10K, c'est quand même compliqué. Alors, qu'est-ce que les pompes vertes, c'est pas les souliers de Cendrillon, ça? Alors, effectivement, il y a eu cette histoire de savoir si t'étais les souliers de verre, VAIR, c'est-à-dire le tissu très précieux, etc., ou vraiment, à l'origine, des souliers de verre, donc en genre en cristal, quoi. Waouh, merci, Iron Deal. Merci beaucoup. On est à 95, 94% du train de la hype. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Voilà. À un moment, vous n'êtes même pas parti. Enfin, le truc de la vieille, c'est même pas tellement j'en avais marre, c'est j'avais envie de pisser. Je suis allé pisser, tout simplement. Dark Vestal, dit le baron, c'est un peu notre méridien de Greenwich, c'est ça. Je suis votre boussole, je suis votre zéro relatif. Voilà, c'est ça. Sauf que les Anglais, il n'y a pas moyen, donc c'est notre méridien de Paris qu'on rétablit. Voilà, exactement. On prend le méridien. Voilà, ça. Merci Céleste. Merci à tous. Train de la hype. Yeehaw! Yeepie, comme il y a marqué là-haut. Alors. Voilà, c'est bon la poutine, à condition d'être québécois. Bonjour, frères et sœurs assez qui dit, Matflou nous dit pour la première fois, bonjour frères et sœurs assez. Bonjour à vous aussi et bienvenue. Otis Smart qui dit à propos de Delavier, au moins Jack a découvert un énergumène qui ne risque pas, qui ne risque, qu'il risque de ne pas oublier de sitôt. Je comprends mieux pourquoi Geek and Fit et Mandax fussent monsieur comme la peste. Sa capacité à argumenter était lunaire. Oui, nous, il n'a aucune capacité à argumenter. Voilà. Parole de Rick qui dit il fait froid de ses grands morts. Erendil. 30... Waouh, Erendil! Samuel Vimer qui a eu qui est Samuel qui a encore offert des abonnements. Il a offert jusqu'à 39 abonnements sur cette chaîne. Samuel, tu es un malade mental. Voilà, je suis un fou. Un fou que j'adore, hein, mais tu es un fou. L'heure est une invention humaine comme un barbu qui vit dans une cité d'argent dans des nuages avec une harpe. Il devrait s'appeler d'Olivier tellement il est bouché. Magnifique. Est-ce qu'on va parler du foyer où le risque de procès est trop grand? Honnêtement, je suis pris entre deux feux. D'un côté, honnêtement, je sais qu'il a fait une vidéo sur moi, dont je n'ai regardé que les 2 ou 3 premières minutes, parce que dès le départ, il dit de la merde. Voilà, il réécrit l'histoire. Donc, je suis même pas allé au bout. J'ai posé la question à Dalibor, qui m'a dit, grosso merdo, je ne veux plus toucher à ce type. Je ne veux même plus l'approcher de ce type, parce que, en fait, ce type a un rapport à la réalité qui est complètement perverti, quoi. Enfin, type est cinglé, quoi. Donc, si vous voulez, on peut regarder ensemble la vidéo du joaillier. Je peux éventuellement commenter ce qu'il a dit pour essayer de rétablir un petit peu les trucs. Salut Kalnos, non, t'es pas très en retard. Donc, il a fait 17 minutes, je crois, sur un tweet. Il a fait 17 minutes sur un petit tweet où je lui demande si, à part faire un jugement de valeur, il a l'intention d'argumenter et d'essayer de faire avancer le schmilblick, quoi. Voilà, il a fait 17 minutes en titrant que je l'attaquais. Voilà, voilà. Alors, ouais, si on parle du foyer, je mettrai peut-être la vidéo sur la chaîne secondaire, voilà. Et encore, je sais même pas. Je sais pas. Je me pose la question. Parce que après, il va dire qu'on le harcèle, tout ça, machin. Et
Et Bruno qui a aussi offert un abonnement. Voilà, c'est le 18e qui l'offre. Voilà. Votre générosité est invraisemblable. Si, vous êtes fou. Voilà, on est à 83% du niveau 2 du train de la hype. Allez-y, lâchez-vous. Mais n'oubliez pas qu'il y a la cagnotte aussi. Hein. Ne dépensez pas tout votre pognon ici. Je n'ai plus besoin sur la cagnotte que là, en fait. Hein. Soyons clairs. Non, je vous le dis, hein, c'est très généreux de donner d'offrir des trucs là. Mais en fait, j'ai plus besoin de votre pognon sur la cagnotte, hein, honnêtement. Parce que là, c'est sympa, mais sur la cagnotte, ce serait mieux pour acheter le matos. Artiska qui dit, il faut éviter de penser trop fort à Stéphane ou il risque de le prendre pour une attaque personnelle. Oui, c'est ça. Squall qui dit non, cher baron, vous n'êtes pas un zéro, même relatif. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un zéro. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un zéro, un zéro. Eh oui, hein, j'ai chopé quand même. Sasujin qui dit, ah, tu en es où tes échanges trop chou avec Stéphane? Bon, j'en suis pas à grand-chose parce qu'en fait, je l'ai bloqué. J'ai bloqué Fantine. Et je bloque systématiquement tous les comptes secondaires qui doivent être l'émanation ou de Stéphane ou du petit cercle de zététique en folie, là, voilà. Donc voilà, je regarde je regarde les réflexions, je regarde les je regarde les profils. Et 95% du temps, c'est bon, bah bloc. Voilà, bon. Il n'y a pas à répondre, quoi. C'est tellement idiot. Zénon, toujours sympathique, qui dit salut les moches, bah bonjour à toi, voilà. Mauvaise tête. Les animaux terribles qui dit quand j'étais étudiant, j'avais un prof d'écologie qui reprenait les mêmes idioties que Delavier. C'était un peu nul, mais il ne peut même pas se vanter d'être à l'origine de sa bêtise, il répète juste des âneries, d'accord, ouais. Zénon qui dit, je passe en coup de vent, j'avais oublié qu'on était samedi. C'est pas moi qui vais t'en vouloir d'oublier quel jour on est. Hein. Soyons clairs. Autismart, il n'a pas fait une vidéo sur deux, vous, mais deux! Deux! Mec, pompe des vidéos comme il va pisser, quoi. C'est pas possible. Non, j'ai passé l'après-midi avec Bisseux, j'ai plein de trucs de Javanac, d'accord. À l'info, qui a offert un abonnement à Code Poulette. Merci beaucoup. Moi, j'ai le foie lié. Joli, William. Guillaume. Voilà, Motismart. Après, il a dit dans ses vidéos qu'il n'avait aucun problème avec ce que vous répondiez tant que vous ne donnez pas son vrai nom. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, dans sa première vidéo, c'est oui, tant qu'il ne donne pas mon vrai nom, tant qu'il ne il leak pas mes informations, tant que je, mais comme si, enfin, mais comme si j'avais le. Comme je lui ai dit, je n'ai rien à foutre, quoi. Et comme dit Ice Clope à propos de Delavier, c'est pas tant les cingleries que la prétention qui l'accompagne. C'est exactement le même truc avec le foilier, quoi. Le mec s'imagine qu'on pense à lui, que son avis est important, que. Honnêtement. Salut, Exanguination. La folle des muselés, il est vivement conseillé d'ignorer complètement ce monsieur, absolument. Féo, il disait qu'il attendait une réponse dans un propos vidéo. Bah oui, évidemment, il attend une réponse parce qu'il a tellement rien à se mettre sous la dent, il a tellement rien à dire.
Voilà quoi. Donc non, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo. En tout cas, si on en parle là aujourd'hui, je vais pas m'emmerder à. Je vais pas m'emmerder à. On peut en parler si vous voulez, si vous insistez, mais je vais pas en faire une vidéo et je vais pas faire une vidéo réponse quoi. Je vais travailler les amis, nous dit Pharmakenzie. Ma tech de nuit est arrivée. Ah ouais. Ah, vous appelez ça comme ça, hein. Ma tech de nuit. D'accord. Le Pandaro qui dit, je pense que ça peut être une solution à discuter ici parce que ça m'intéresse, mais si on va tous voir de notre côté, ça lui fera des vues. Si on en parle ici, ça n'en fera qu'une seule. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Salut, Fer Mackenzie, et bon courage. Et prenez soin de cette petite fièvre et de cette grande fatigue. Alors, la vie, c'est un peu le Chuck Norris français. Ouais, c'est ça, le Chuck Norris de la pensée. C'était, je suis pas un héron. Moi, cette chanson, je m'en bats l'avoine, dit Samuel. Elle est un peu connue. Pichente. Ah merde, Fantine, qu'est-ce qui t'a pris, Baron? Il m'a pris qu'elle m'a cassé les couilles. Il m'a pris qu'elle m'a emmerdé. Qu'elle est venue me faire la leçon en m'expliquant que ouais, c'est sexiste de ne pas vouloir assister à l'accouchement de sa femme. Voilà, que c'était être masculiniste de craindre d'assister à ce spectacle, voilà, qui est forcément merveilleux, voilà, gnagnagna. Et quand on essaie d'argumenter en disant que c'est quelque chose de très nouveau dans la civilisation occidentale, et qu'en des tas d'autres civilisations, c'est un truc qui ne se fait pas, et que dans notre civilisation occidentale, ça ne s'est pas fait pendant très longtemps, que c'était, entre guillemets, une affaire de femme, eh ben, on est traité de mascu, qui ne pense qu'à son plaisir, qui n'assume pas les conséquences d'avoir violé sa femme. Voilà, c'est le genre de discours que je reçois, quoi. Et donc, en gros, mon tweet de départ concernait le tweet du foyer. Où quelqu'un disait juste ce que je viens de dire, à savoir que c'est très nouveau dans notre civilisation, qu'on peut très bien ne pas vouloir, etc., etc., qu'il y avait d'autres moyens de faire, et voilà. Comment il s'appelle, le foyer a répondu, ok, je veux changer, je veux quitter cette planète. Sous-entendu, l'avis de cette personne, c'est de la merde, voilà, il n'y a même pas à discuter, c'était un jugement moral sur quelqu'un qui disait simplement, c'est très nouveau dans notre civilisation, il y a des hommes qui peuvent très bien ne pas supporter ça, il y a des femmes qui veulent très bien, qui peuvent très bien ne pas vouloir de leur homme dans la salle d'accouchement. Et moi je disais, mais c'est de l'intime, ça concerne les gens dans leur relation intime, qu'elle soit sexuelle, parentale ou autre. Il y a des gens qui sont en couple depuis des années. Et jamais ils pourraient aller aux toilettes devant leur partenaire. Impossible. Ça vient de l'intime. T'as pas envie de te montrer dans cette position, voilà, en train de faire tes besoins naturels, voilà, etc. T'as pas envie que ton partenaire te voie comme ça parce que t'as pas envie, voilà. T'as pas envie. T'as l'impression que ça peut, c'est une sphère d'intimité que tu ne veux pas partager, même avec la personne avec qui tu zigounis pile ou pile. Bon, il y a des hommes qui veulent pas partager l'intimité de l'accouchement avec leur femme, et il y a des femmes qui veulent pas non plus. Partager cette intimité avec l'homme dont elles sont enceintes. Ça arrive, c'est comme ça. Et il n'y a pas de jugement moral à porter là-dessus. Et donc, mon tweet concernait le jugement moral du foyer
en lui disant, est-ce que, alors, à part un jugement moral, est-ce que tu peux donner des raisons valables qui permettraient à cette personne d'évoluer dans sa façon de penser cette relation à sa femme et à l'accouchement, plutôt que de le mépriser, etc., etc. Alors, je ne disais pas comme ça, j'étais un peu plus poli. Et la seule réaction qu'il a eue, ça a été de m'accuser d'être un mascu et de prendre la défense des arguments du tweet d'origine. Alors, dans le tweet d'origine, il y avait des arguments qui étaient valables et il y avait des arguments qui n'étaient pas bons. À quoi je réponds? Mais je ne suis pas en train de dire que les arguments de la personne sont bons. Je suis en train de dire que c'est comme ça qu'elle vit. C'est son opinion par rapport à l'accouchement. Il n'a pas envie, pour plusieurs raisons. Certaines sont bonnes, sont entendables, et certaines ne le sont pas. Plutôt que de porter un jugement moral sur cette personne, peut-être que tu pourrais donner des éléments factuels qui l'aideraient, parce que tu penses que c'est une bonne chose, à ne plus avoir de peurs irrationnelles vis-à-vis de ça ou choses comme ça. Mais c'est comme le fait de tomber dans les pommes quand on voit du sang. Enfin, ça se contrôle pas, quoi. S'il a pas envie, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est à lui de discuter ça avec sa femme ou à la future mère de ses enfants. C'est pas à toi de porter un jugement moral. Et le simple fait d'avoir dit ça et d'avoir donné des exemples, je me suis pris un tombereau de twittos que j'ai jamais vu de ma vie qui ont débarqué pour me faire savoir que j'étais un salopard de mascu, un sale type, voilà, bref. Hein, c'est tout. Et avant même tout le développement derrière dont je viens de vous parler, le simple fait que j'ai mis en question l'attitude du foilier, il a fait une vidéo pour expliquer que je l'attaquais. Un peu particulier comme psychologie. Et Fanti n'a pas été la dernière à me faire chier. Et ceci dit, Fanti n'a pas été la dernière, à plusieurs occasions, m'a même en privé envoyé des messages littéralement insultants en fait. Voilà. Et j'ai vu aussi la vidéo qu'elle a faite pour critiquer l'usage du mot schizophrène ou choses comme ça qu'avait fait Sébastien de Vous avez le droit. C'est une casse-couille. C'est une donneuse de leçons absolument imbuvable. C'est tout. Elle fait chier. Moi, je ne suis jamais venu la faire chier. Mais honnêtement, je ne sais pas qu'elle a été, si elle a discuté avec Sébastien ou si Sébastien a discuté avec elle suite à la vidéo qu'elle avait faite, voilà, pour critiquer son usage de mots, du mot schizophrène et des choses comme ça. Je sais une chose, c'est que c'est un mot que j'utilise régulièrement dans mes vidéos pour parler effectivement des prophètes, voilà, etc. Il est très clair que si Fantine s'était permis de venir me faire la leçon sur l'usage du mot schizophrène, ou parano, ou etc., je l'aurais envoyé chier, déjà, avant. Oh, c'est pas nouveau. Moi, je lui fous la paix, je suis en train de discuter, je fais juste une réflexion avec le foilier sur un tweet qui pop, et je me retrouve avec Fantine qui vient me faire la leçon. Elle m'emmerde. Voilà. Donc, au bout d'un moment, les attaques ad hominem, etc., etc., etc. Donc, le mec, dans son message de base, parlait des doulas et des choses comme ça. Et Fantine vient me chier dans les bottes en me disant: Oui, est-ce que ça ne te gêne pas l'appel à l'ancienneté et la promotion des pseudo-médecines? À quoi j'ai répondu qu'il était un tout petit peu hypocrite de sa part de venir me reprocher de soutenir de soutenir les pseudo-médecines, alors qu'elle prenait la défense du foilier qui est un ostéopathe en activité. Et quand je lui ai dit ça, lui m'a renvoyé, évidemment, alors que c'était avec elle que je discutais, hein, m'a réenvoyé des tweets en me disant: Oui, tu sais rien de mon évolution professionnelle, comment oses-tu, toujours en m'attaquant personnellement, voilà. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez d'avoir affaire à ces gens qui, manifestement, ne sont zététes que quand on va dans leur sens. Voilà. Au bout d'un moment, clic et clic. Au revoir, messieurs, dames.
Alors, la haine contre Thomas Durand continue de s'exprimer de façon de plus en plus odieuse. Oui, Delavier est complètement cédé. Enfin bon, voilà. Alors, Gunther Bendy qui dit pour Cendrillon, j'ai vu une version du texte de 1800 où l'orthographe est vert et un autre texte de 1900 où l'orthographe est vert. Bon, voilà. Donc, on ne sait plus. Motismart, j'avoue que je ne comprends pas. Les êtres ne sont pas les derniers à se prendre du dogpiling dans la tronche, c'est-à-dire le fait de se prendre des messages par tout un groupe en même temps. Ils comprennent pas que même si vous étiez en tort, ce genre de méthode n'est pas franchement agréable. Mais je considère pas que j'étais en tort, en fait. Je n'étais pas en tort, j'ai le droit d'exprimer une opinion et j'ai le droit de leur dire que leur jugement moral sur une opinion, ben, on s'en carre le fondement, quoi. On s'en cogne. Et ça va pas faire avancer le schmilblick. Et qu'ils sont absolument pas légitimes à faire la leçon aux autres. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ça va pas. Et alors, ce qui est particulièrement savoureux, c'est que dans les messages MP, moi, que j'avais, et qui datent du début de l'année, donc en mai 2023, que j'ai eu avec le fou allié, en fait, c'est moi qui l'ai contacté pour lui dire que j'étais absolument désolé de tombereaux de merde et de harcèlement qui se prenaient sur la gueule. Et à quoi il me répondait, oh, ben, merci, c'est adorable, nanani nananer. Et où je disais que oui, vraiment, ces procédés de harcèlement, etc., étaient absolument insupportables. Il disait oui, je suis absolument d'accord avec toi. Et voilà, il est absolument d'accord avec moi jusqu'au moment où c'est lui qui fait exactement la même chose, quoi. Voilà, donc le niveau d'hypocrisie est absolument délirant. Ardisca, autant Thomas s'est conduit comme un cuistre en quelques occasions, oui, par exemple à l'endroit de psychodélique, absolument. Autant le déferlement de haine qu'il se prend depuis des années est absolument inqualifiable. Nous sommes parfaitement d'accord. Et dire que Mandax s'est allié à lui contre Psychodélique. Oui, non, c'est Pharaon. Une vidéo de réponse, c'est peut-être beaucoup, oui, ça mérite un tweet tout au plus. Mais même pas, en fait. Ça sert à rien. Parce que on dit une chose et en fait, tous les gens qui répondent ne font que tirer des conclusions tirées par les cheveux sur ce qui se serait ce qui sur ce qui serait sous-entendu. Voilà. William, Guillaume, connard, peu importe, je me reconnais, dit Guillaume. Lorsque j'étais à Cuba, c'était plus facile de dire que m'appelait Guillermo que de tenter de leur faire comprendre Guillaume et d'être pris pour les plaies. Gunther Bendick, un de mes anciens patrons, disait que la marque des manipulateurs est la capacité de faire parler d'eux quand ils ne sont pas là. Absolument, absolument. Will, c'est les beaux. J'ai parfois l'impression que les aides Twitter sont tous atteints d'un syndrome du sauveur, ce qui les rend particulièrement détestables à la longue. Absolument. Salut, Barnac. William qui dit, c'est probablement ma masculinité toxique qui a fait que j'ai eu un choc vagal lors du premier accouchement de ma femme. Mais oui, il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas de voir la souffrance de la femme qu'ils aiment. Voilà. Et en plus de se sentir coupable d'être responsable de cet état. Voilà. Mais c'est un peu trop subtil pour les gens, en fait. Enfin, les émotions, c'est valable que pour le groupe de personnes dont ils ont décidé que les émotions étaient valables et pouvaient faire loi. Mais du groupe a priori mauvais, n'a pas droit au même sentiment, quoi. N'a pas droit au même respect vis-à-vis de leur propre vécu émotionnel. Voilà.
Ardiska qui dit je confirme, j'ai fait pipi la porte fermée, moi. C'est animal. Absolument. La folle des muselés qui dit la pudeur, c'est normal, chacun son degré. Oui, voilà, c'est tout. Perso, j'ai assisté et soutenu la mère de mes trois enfants parce que c'était important pour moi, mais je comprends que d'autres ont des raisons diverses et personnelles de ne pas vouloir ou pouvoir le faire. Pourquoi politiser? Mais c'est même pas qu'ils le politisent en fait. C'est juste que qu'ils insultent les gens, ils insultent et ils portent un jugement moral sur les gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre ça. C'est hallucinant quoi. Hallucinant. Ces gens sont des sont, sont ont un esprit mais absolument totalitaire quoi. Ice Club qui dit j'ai essayé de rameuter un coraniste pour monter en vocal, mais il a peur des répercussions. Bah ouais, mais enfin s'il se planque et bon bref. Ardiska qui dit personnellement l'idée que le foyer assiste à mon accouchement me terrifierait. C'est juste à moi. Personnellement, je serais une femme et je me dirais, putain, c'est lui le père du gosse, qu'est-ce que j'ai fait? Obi-Wan qui nous cite un petit peu j'ai fait comme tous les mâles dominants. J'ai pissé autour du lit pour marquer mon territoire. Dire que certaines raisons ne sont pas entendables est aussi un jugement moral, absolument. Parole de geek qui dit, pourtant on sait que le baron aime les femmes. Zénon, ce sont des gens qui n'ont rien compris au féminisme, on ne remplace pas un fascisme par un autre et personne n'a le droit de dire aux femmes ce qu'elles doivent ou ne doivent pas faire. Mais personne n'a le droit non plus de dire aux hommes ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire au nom de l'idéologie soi-disant féministe. Ou ce qu'ils doivent faire. Et s'ils ne le font pas, ce sont des salauds. C'est cette façon de penser. Autismart. Après, l'un des problèmes, c'est aussi Twitter qui ne permet pas d'avoir une argumentation nuancée et réfléchie. Sans doute qu'en live, beaucoup de gens qui vous sont tombés dessus comprendraient bien plus votre position. J'ai un gros, gros doute. Je doute très fortement. La vidéo qu'elle a faite sur Vous avez le droit est d'un commun accord avec Seb. Ok, d'accord. Enfin, Mackenzie qui dit ça peut être aussi vécu comme un soutien, tout dépend du couple, voilà, mais c'est aussi très médicalisé, le mec n'a pas forcément sa place dans un tel lieu. Oui, parce que si tout d'un coup les infirmières, le médecin, etc., sont obligés de s'occuper du mec qui vient de se fracasser le crâne parce qu'il vient de tomber à la renverse sur le lit ou sur la table avec les instruments ou les choses comme ça, ou tout d'un coup le mec part en cacahuète parce qu'il faut faire une épisio, parce que tout d'un coup l'accouchement se passe mal et que le mec fait une crise de nerfs à l'idée qu'on ouvre le ventre de sa femme pour faire. Pour faire une césarienne, etc. Ces gens sont incroyables. Sébastien l'a dit plusieurs fois, il a pris cela simplement comme rebondir pour parler de la schizophrénie. D'accord. Sébastien est vraiment très compréhensif. Ardiska qui dit à côté de ça, Fantine a eu des propos très limites au sujet de la sexualité des enfants et de l'éducation sexuelle à l'école. Elle ferait bien de balayer devant sa porte la minette. Oui, non, mais bien sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour ce qui est de la santé mentale. Les médias véhiculent des tas de fantasmes sur les maladies mentales. Ils doivent se battre contre suffisamment de trucs pour s'éviter ça. Oui, mais enfin, là, on est en train de parler.
Quelqu'un qui entend des voix, c'est un des signes de la schizophrénie. Point barre. Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème de quand on a dans un texte sacré un prophète qui dit j'entends des voix, on a le droit de se dire que s'il avait vécu de nos jours, il serait allé voir un psychiatre, on lui aurait donné des pilules et probablement qu'on aurait pu l'aider médicalement, en fait. Voilà. Et c'est fatigant de s'entendre dire qu'on est dangereux et de devoir se justifier. Oui, mais là, on n'est pas en train de parler des gens actuels. Ah, l'ostéopathie, qui dit Astagnouf. Ouais, c'est une fake med que je pratique en client parce que ça marche sur moi. Ouais, mais bon. Si ça vous soulage, ça vous soulage. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon. Ardisca, mais c'est pas mal l'ostéopathie. Si le mec est bon, c'est de la kiné. Oui, alors, moi, j'ai rencontré un ostéopathe. Le mec était professeur de mécanique de médecine mécanique. Bon, en gros, c'est le mec qui répare les footballeurs et les danseurs de l'Opéra de Paris. Professeur à l'université, enfin à l'hôpital, etc., etc. Si lui dit, je vais utiliser de l'ostéopathie pour vous soulager, j'ai pas peur. Je sais qu'il va pas me rendre hémiplégique en me déplaçant une vertèbre. Il sait ce qu'il fait. C'est la seule personne que je connaisse qui m'a fait des infiltrations sans me faire mal. Sans me faire mal. Pourtant, j'aime pas les piqûres. Hein. Les infiltrations dans les articulations des mains, c'est pas sympa du tout. Il ne m'a pas fait mal. Donc, si lui, il me dit, je vais vous manipuler, j'y vais sans problème. Le mec est capable de régler des problèmes de dos juste en demandant à quelqu'un de marcher dans son couloir. Juste à la posture de la personne, il est capable de dire oui, alors vous avez ceci, gnagnagna, et genre un demi-millimètre de machin, de talon en plus, etc. Et tout d'un coup, la personne devient ah bah oui, ça y est, j'ai plus mal. Voilà. Donc bon. Lui, oui. Sinon, bon. Comment veux-tu qu'on écrive si on ne peut pas taper le texte sur le clavier? Hein, j'ai pas compris, Boob Astrophysique. Salut sorcière, on est très heureux de vous avoir. Samuel Wimmer qui dit il faut pas voir les Z comme un groupe uniforme. Il y a une grosse fracture entre les Z historiques, genre Cancel Party, et les woke pseudo-Z qui ne sont Z que quand ça sert leur idéologie. Absolument. Bon, allez, voilà, j'ai pris une demi-heure de retard. On va essayer d'avancer un petit peu. Je sais comment ça va finir. The Club va faire une vidéo avec le titre de Baron versus le Foualier. Il va vous inviter, toi et le Foualier, à débattre. Ce sera un dialogue de sourds. Zio va gueuler. Le Foualier va faire une vidéo sur le débat et on reboucle. Ah, on a un intervenant. Ah, intéressant. Seule la naissance de mon aîné s'est bien passée. Mon fils s'étranglait avec son cordon ombilical et il ne respirait pas. Je suis toujours très marqué par la scène, tu m'étonnes. Ma femme a failli crever d'une grosse hémorragie à ma dernière, une pré-éclampsie, super. Et j'ai été vidé avec ma fille dans le couloir pendant 45 minutes. Ben oui, voilà. Et puis alors, en plus, quand on te vire, c'est encore plus l'angoisse parce que tu te dis, bon, là, c'est grave. Super. Je parle un peu de kinésithérapie parce que ma mère était kinésie. Hein. Papa.
Voilà. Bon, alors toujours le débat sur est-ce que le mec est utile dans la salle d'accouchement, voilà. Ok. Bien. Je vais vous demander un petit break. Il faut que je reprenne, il faut que je reprenne un antidouleur. Asanouf qui dit, j'ai commencé des études universitaires d'ostéopathie, Belgique. Un prof tout faisait que oui, dans notre carrière, on aurait toutes les chances de tuer quelqu'un. Et si on ne pouvait pas accepter ça, on devait quitter tout de suite. Alors, en médecine, oui. En ostéopathie, c'est pas très très, très normal. Hein. Voilà. Bon, alors, je vais vous demander, je vais juste prendre une petite pause parce qu'il faut que je prenne un antidouleur pour mon dos qui m'embête depuis une bonne semaine. Et puis ensuite, eh ben, vous me direz, on fera après, on fera un petit sondage. Et puis vous me direz si ce de quoi vous. Et puis alors non, c'est surtout que non, on va pas faire un petit sondage, c'est surtout que je vais donner la parole à une personne qui la demande. Voilà. Donc vous pouvez passer le message au renard ou tu peux passer le message. Je pense que c'est à Joaquin que j'arrive. Hein, que on va se. Je vais m'occuper de lui, je vais le prendre en interview et puis voilà. D'accord? On va faire comme ça. Et puis, donc, je vous demande 2 petites minutes. J'en profite pour faire ce que j'ai à faire et je vous reprends tout de suite. C'est promis. Je reviens. Allez, à tout de suite. Dieu a voulu,
préféré qu'il se soit tu. La nature n'est pas bien foutue. Dès qu'elle le peut, elle nous tue. Je vous le dis, mes bien chers frères, le grand maître de l'univers a encore des progrès à faire. Son petit paradis, c'est l'enfer. On peut toujours se demander quand cela va nous arriver. Il n'y a pas de quoi paniquer, pas de surprise à l'arrivée. Je meurs, tu meurs, on meurt. Bien, ben voilà, je suis de retour. Je me suis un petit peu, vous avez vu, dépouillé un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais hop, aller chercher notre invité qui, normalement, devrait être dans le salon vocal, mais il n'y est pas. C'est quoi ce bordel ? Test intervenant. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Là, c'est étrange. Je ne vois pas mon invité. Bon. Il est où ? Son Napoléon m'a donné une furieuse envie de coller le vieux barbon dans une trieuse à châtaigne. Bon alors, j'ai un... Où est-ce qu'il est Je comprends pas. Renard m'a dit qu'on avait un candidat pour discuter et je le vois pas. Alors, il y a Sasujin qui veut bien. Oui, non, mais de toute façon, Renard, pour l'instant, je suis encore sur entre guillemets, sur le VSV serveur. Je suis même pas encore sur mon nouveau serveur. C'est pour dire le niveau. Sur l'ancien serveur, ok. Alors, c'est Sasujin qui veut intervenir. Ok, d'accord. Ok. Alors, on va faire venir Alexandre. Attends. À discuter avec le copain. Alors, il est où ? Il est là. Alors, attends. Il faut que je toque. Alors. Choupinet, est-ce que tu m'entends ? Bah là, je t'entends fort et clair. Et moi aussi, c'est formidable. Comment vas-tu ? Ah, bah, je t'entends plus. Oh non, ça n'a pas recommencé. C'est quoi cette histoire ? Bon. Ça... Oui, non, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu m'entends ? Ça y est, je t'ai fait remonter dans le salon. Je ne sais pas pourquoi tu avais disparu. Paris-Bordeaux-Le Havre. Ouais, c'est... Voilà. Bon, normalement, on est bon. La liaison est stable. La liaison est stable. Elle n'est pas trop dangereuse. Houston, nous avons un problème. Alors, voilà. Voilà, bon, alors normalement, moi, je vais passer à mon scène discussion et normalement, je devrais pouvoir te récupérer. Hop. Ah, c'est y, je te vois. Et moi aussi, je te vois, c'est merveilleux. Et je t'attends. Hail Satan. Hell.
Ah mais tu m'as reconnu, je m'étais déguisé en plus. Ah bon, allez. Oui, mais enfin, un Père Noël avec des... T'as tendance à le Ouais, reconnaître. je me remets en civil du coup. Le Père Noël tatouage, bon, comment dire? Je me suis remis en civil. Zut. Mais tu sais qu'on m'a traité de fils de pute et de Père Noël en même temps dans la rue l'autre jour. Ah oui, le petit groupe là, c'est ça? Le petit groupe. Ouais, donc finalement, je me dis que le Père Noël a peut-être pas une vie aussi stable que ça. Hein. Surtout sa famille. Hein. Je ne sais pas. Il faudrait que j'enquête. Oui, surtout que oui, c'est parce que effectivement, les lutins sont-ils des djinns? Du point de vue Je sais musulman? pas. En tout cas, c'est en tout cas, c'est pas des 500. Hein, crois-moi. Hein. Voilà. Bon, eh ben écoute, Quel voilà. enfer, ciel, quel enfer. Mais voilà, c'est ça. Bon, tu voulais que nous discutions de quelque chose, peut-être. Je sais Oui, pas. plus ou moins. Disons que je voulais rebondir un petit peu. Alors, je sais que tu as déjà évoqué le sujet tout à l'heure, mais je voulais rebondir un peu sur la discussion que j'ai suivie en retard, moi, sur Twix, là, ce matin, que j'ai trouvé assez surréaliste et que j'ai eu du mal à définir dans un contexte précis. Parce que là, je pense qu'on commence à tomber dans des détails, ce qu'on appelle des queues de cerises. C'est vraiment des chamailleries de cours de récréation pour des queues de cerises, avec une part de dogme qui est tellement énorme que ça en devient quasi religieux à ce niveau-là. Ah, mais je considère, oui, effectivement, qu'ils agissent de manière totalement sectaire, oui, mais ils en ont toutes les caractéristiques, oui. Parce que là, l'incident n'avait pas lieu d'être, la discussion n'avait pas lieu d'être. Les J'ai pas réactions non compris plus. Les les réactions non plus. réactions non plus, et ça a été assez virulent assez rapidement, et j'ai pas tellement compris les raisons de cette comment dire de cet embrasement soudain. Là, on se serait cru je sais pas, sur un forum Z éthique sur lequel je suis allé deux trois fois. Je dis waouh, mais dis donc, c'est Gaza ici, vite, partons, partons. Ah ouais, c'est run for your life. Non, non, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre une petite de mettre un petit commentaire, parce que ça me semblait tellement surréaliste. Enfin, je veux dire, moi, ma femme a pas voulu. Elle m'a dit, je t'interdis de foutre les pieds dans la salle d'accouchement. Et je dis, écoute, chérie, c'est toi le patron. Et le médecin m'a dit là, exactement la même chose. Il dit, oh, moi, les pères qui viennent m'emmerder pendant les accouchements, ça suffit comme ça. Vous restez dehors. Et surtout que visiblement il y en a qui tombent dans les choux régulièrement ou qui emmerdent le monde, enfin bon. Donc ouais, j'ai pas tellement compris le sujet de la discussion. Je serais très intéressé de savoir. J'ai regardé du coup sa petite vidéo cet après-midi, là, la petite vidéo de réponse. J'aime bien faire les oreilles de lapin. En fait, c'est des guillemets, mais voilà. En fait, il en faut deux pour faire des guillemets. Et j'ai C'est-à-dire que regardé moi, sa vidéo. je fais juste un petit tweet et lui, il fait 20 minutes de vidéo, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Je pense qu'il est. Alors, attention, encore une fois, je le trouve assez sympathique. On a eu l'occasion de discuter quelques fois, notamment de tout ce qui est de sujet de la pédocriminalité et compagnie. Mais j'ai été très étonné du tournant qu'il a pris il y a quelques mois, qui est très, très, très ZZZ, et surtout de. J'ai l'impression qu'il y a un problème de relation, un problème relationnel avec ses camarades. Je dis ça sans aucune arrière-pensée négative. Hein. Encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui doit être plutôt sympathique, ou demeurant. J'ai vu qu'il était très, très enclin à vouloir se rapprocher d'Antoine Goya, de Paduring, de tout ça, en leur envoyant 45 Twix par jour. Et moi aussi, regarde, moi aussi, moi aussi, regarde, moi aussi, regarde, lui, je le déteste. Mais Donc, c'est une on est. attention whore. C'est juste un mec qui n'est pas C'est capable ça. de produire du contenu intéressant. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos. C'est d'un niveau. Enfin, je veux dire, le mec utilise des sondages dans Elle ou Cosmopolitan Oui, c'est ça, comme base à son argumentation. Enfin, oui. ça donne le niveau, quoi. Enfin, voilà. Et le mec se prend très au sérieux et croit, etc. Et donc, en fait, il a eu toute une période où il était très, effectivement, pro-féministe, machin, etc., avec une portion très TERF, c'est-à-dire qu'en fait, il adoptait la position d'un certain nombre de militantes féministes qui contestent le droit aux femmes trans Oui, c'est ça, voilà. d'imposer Moi, leur j'avais. présence, par exemple, dans le C'est sport ou ça. machin, etc. Et en fait,
Moi, de ce que je vois, de ce que j'ai compris, c'est que tout simplement, il a compris que c'était plus porteur d'avoir la Non, voilà, position c'est ça. inverse. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. C'est juste un mec qui veut faire des vues, il veut exister, il n'est pas capable de faire du contenu intéressant par lui-même. Il a zéro degré de réflexion, il n'a pas de plume, il n'a pas de style, il n'a pas de présence. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, Bon, il fait avec les armes qu'il a, il en a peu. Donc, voilà, il Et moi, se. je comprends pas, c'est ce que j'ai pas compris là. Donc, bon, déjà, c'est vrai que je regarde plus ses contenus parce qu'il était parti vraiment dans quelque chose qui allait beaucoup trop loin pour moi. Mais là, j'ai pas vraiment compris sa réaction par rapport à ce sujet donné. Déjà, j'ai pas compris en quoi c'était un sujet parce que on est vraiment dans le libre arbitre en plein. Là, on est dedans à fond la caisse, quoi. Il appartient à chacun. Et puis quand on parle des relations de couple, mais ça me fait un peu penser à ces camarades qui m'avaient envoyé des MP après le fameux incident du thé que t'as vu, j'arrête pas de faire les oreilles de lapin. Le fameux incident du thé quand ma chérie m'amène du thé pendant les lives et qu'elle me Ah. dit le repas est prêt. Et tu devrais pas faire ça, le laisser pendant tes rodifs parce que tu sais, c'est vachement masculin comme attitude, Ouais, machin, ça peut machin, être machin. interprété comme voilà, Non, enfin, c'est propre c'est comme il y ça a que aucun fonctionne couple notre qui soit couple, pareil. je vous Voilà. emmerde, c'est pas votre Voilà. problème. Et c'est très compliqué. J'ai toujours eu du mal avec les gens qui allaient mettre leur nez dans la culotte des autres. C'est exactement ça. Ça me hérisse le poil, c'est le cas de le dire. Et Et c'est là, une déjà, attitude j'ai. religieuse. C'est Mais c'est typiquement ça. ce que font les C'est ça. religieux, en fait. Ça me C'est des fait curés penser froids. au calvinisme de base, du truc très. Ouais, ça fait très, très anglo-saxon. C'est-à-dire. Alors, le dogme par rapport à la sexualité, c'est ça. Attention, si vous vous en écartez, c'est pas bon. Le dogme par rapport au couple, c'est ça. Le dogme par rapport à la dose de féminisme ou de machin, c'est très 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 compliqué, hein. Alors moi j'ai arrêté, je n'essaie plus de comprendre. Mais. Il y avait des lois aux États-Unis qui étaient que si un voisin te voyait pratiquer par exemple une levrette avec ta femme dans ta chambre, chez toi, etc., et qui te voyait par la fenêtre, tu pouvais être condamné pour, entre guillemets, moi aussi, tu vois, je le fais, sodomie, c'est-à-dire pratique Eh oui, parce qu'on voit pas non. trop, ouais, on voit pas où tu vises, quoi, c'est ça. Non, 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 Ah non, même pas. parce que du point de vue américain, enfin, le terme sodomie recouvre toutes les pratiques qui ne sont pas dans le cadre du missionnaire à portée reproductive. D'accord? D'accord, ouais, Donc, faire mais bon. minette, goûter le sucre d'orge, les Non, c'est pas bon, manipulations ouais. digitales, Ça, la tu vois. levrette, Ah le ouais. 69, là, c'est de la sodomie, c'est-à-dire de la perversion du but procréatif de la sexualité. Ah Donc, oui, si un ok. voisin, il pouvait te dénoncer et tu pouvais faire de la prison à cause de ça. Je vois très bien ce genre de personne expliquer Ouais, que la j'imagine. levrette C'est et c'est dominateur dominateur et c'est ravaler la femme à une animalité et à et. Ravaler, hein, retenu. voilà, etc. Je dirais que à l'humiliation, l'oppression féminine de l'homme qui domine sa femelle. Enfin, tu vois, Oui, tout à fait. il suffit que ces gens-là continuent à se. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a sorti une théorie à la con Ah là-dessus. mais il y a des théories pour C'est tout, hein. Tu évident. sais, quand j'écoute traîner mes oreilles, enfin, quand je fais traîner mes oreilles et que j'écoute un peu deux, trois conversations, là, il y a des théories vraiment pour tout. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment des discussions sur des queues de cerises. Et je vois pas vraiment l'intérêt de ce genre de choses. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que ça m'a vraiment gonflé. Surtout que c'était des gens, il y a certaines personnes qui ont intervenu que j'apprécie en plus. Tiens, j'ai pas tellement compris ce dont au sujet duquel de quoi qu'il s'agissait. Enfin voilà, c'est. Il faut bien Mais comprendre une chose, c'est que parmi les gens un peu connus qui sont intervenus, certains considèrent que je suis un fasciste, d'accord? Que je suis un ah, ça y est, droitard. bah, d'accord, Ah mais ok. oui, mais évidemment que je suis un droitard, que j'ai des positions absolument ignobles, etc., etc. Donc Ah oui, tout est prétexte à ouais. me régler mon compte, évidemment. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Même les Ah plus ben, t'as de ridicules. la chance parce que moi, maintenant, je suis un seul gauchiste, alors je me prends des volets de bois vert, Ah ça mais joue moi pas. ça m'empêche pas d'être les deux à la fois, hein, Ah ben, comme d'accord, oui, non, j'avais mais ça va expliqué, venir, alors, comme ok. j'avais expliqué à Sam quand je l'avais rencontré à la nuit zététique l'année dernière, donc ça fait un an, je suis à la fois un islamo-gauchiste droitardé. Voilà. D'accord, ah ouais, c'est sympa, ça. Ah mais c'est très bien.
Ah bah écoute, bah au moins, non, mais je suis ravi pour toi. Bah, moi, c'est un statut très particulier et t'es une espèce de Pokémon rare, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je suis au Ok. centre de l'univers. Hein, Bah, il me car... tarde de voir l'évolution, alors Mais ça peut être voilà, sympa. je ne peux que grimper. Mais je vais t'élever dans l'échelle des bannis. Non, plutôt comme un lapin. Alors attention, le lapin, sous certains aspects, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux comme animal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, à part ça, comment vas-tu? Écoute, ça va, j'ai eu des problèmes de dos insupportables, je travaille comme un voyou, j'ai mon nouveau livre qui est arrivé, donc je suis en train de dédicacer à tour de bras, Super. j'ai un mot... Au moins, il y a ça qui fonctionne. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, j'ai parlé des vidéos, mais évidemment, ne vous abstenez pas de commander le dernier livre de Sassou Djin, hein. peux même vous en montrer un, parce que j'ai des cartons tout autour de moi, le voilà, c'est Formidable. celui-là. Génial. Made in Osatsujin, le dernier arrivé. Et ouais, je suis très content, comme à chaque fois que j'ai un livre qui arrive, c'est un peu comme un enfant qui arrive. Et je n'assiste pas à l'accouchement, puisque je ne vais pas à l'imprimerie, Tu voyez-vous. ne mets pas les doigts dans les le doigt dans les rouleaux, toi. Non, 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 dans l'offset, ça fait très très mal. Hein. Il y a très peu d'espace entre les rouleaux d'une offset. Moi qui en ai fait pendant longtemps, je ne me le souhaite pas et je le souhaite à personne. Ah, voilà, le livre sort. J'ai des nouveaux produits dérivés, on va dire, qui arrivent aussi. Plutôt très agréable. Et puis des projets parallèles à la chaîne, parce que c'est vrai que ma chaîne YouTube principale s'effondre depuis 1 an et demi à cause des problèmes que j'ai pu avoir de fantômage de la part de YouTube. Ouais. Et bon, moi, je pense que ça sert à rien de se débattre pour rien, parce que là, je pense que c'est plié. Je crois que je suis passé dans les limbes de l'algorithme. Bah, t'en parlais tout à l'heure, tu vois, quand je sors une vidéo dossier, qui est une vidéo sur laquelle je travaille depuis des mois, avec des semaines de montage, et puis des dossiers que je me traîne depuis longtemps et qui fait 2000 vues en une semaine. Bon, je me dis qu'il est temps de raccrocher les gants quand même. Hein. Oui, c'est un peu, enfin, c'est navrant et un peu désespérant, ouais, effectivement. Ah oui, c'est très compliqué. Et j'ai bien compris ce qui se passait par rapport à ce problème de visibilité. C'est que, tu vois, je fais un vlog sur Crépole en 5 minutes. Le truc fait, je sais pas combien de vues en une journée. Il remonte. Il y a plein de gens qui ont découvert la chaîne sans la connaître à cause de ça. Alors que je dis, c'est vraiment pas pour ça que je vais l'avoir. Et puis, bah, tu fais une grosse vidéo, comme d'habitude, montée, etc., écrite, et là, elle fait aucune visibilité. Je pense qu'il faut de plus en plus être dans le, comment dire, dans les petits papiers de l'algorithme, c'est-à-dire avoir des mots de référence, des tags, c'est-à-dire qui correspondent à l'actualité. Là, parler des affaires, d'affaires qui ont 20, 30, 40, 50 ans, voire 150 ans pour certaines. Sans faire de titre accrocheur, juste en mettant un intitulé, j'ai bien compris que ça n'était plus tellement dans l'air du temps, quoi. Oui, c'est très compliqué, surtout qu'en plus, ce qui peut être accrocheur pour toi sont justement les termes qui sont interdits par la pudibonderie. Ah oui, c'est très Donc, compliqué. quand tu es obligé d'éviter les termes comme de cuisine, Oui, c'est ça, c'est ça. ça devient fou, quoi. Et quand tu dois écrire un titre, si tu as marqué meurtre, eh bien tu mets meurtre, tu remplaces le E par un logo euro, par exemple, pour passer à travers. C'est un peu complet. Mais bon, après, voilà, YouTube, c'est américain, donc Ouais, non, c'est c'est pas extrêmement. la peine de faire un dessin. La modération, comme on dit, n'est pas forcément celle qu'on souhaiterait avoir ici. Mais bon, c'est comme ça. C'est le moins qu'on Alors, puisse je pense dire. que ce serait ridicule de m'acharner, donc je navigue sous d'autres cieux. Là, je vais terminer de sortir les 6 vidéos que j'ai commencées. Et puis, mais j'aime bien Twitch, en fait, je me sens plutôt à l'aise sur Twitch. On peut aborder des sujets assez différents. Et puis la communauté est beaucoup plus tranquille, parce qu'on est un peu entre nous, on va dire. Les gens qui viennent font le choix de venir, si tu veux, ils savent, ils ont le programme à l'avance, on peut discuter, ça me permet d'approfondir des sujets, faire des lives de 3 heures, par exemple, comme on a fait jeudi sur l'hybristophilie, par exemple. Bon, mais ça, sur YouTube, c'est compliqué, hein. J'avais vu passer un truc, mais justement encore genre de woke ou je sais pas trop quoi, qui disait que l'hybristophilie avait connu était née avec les réseaux sociaux. Du tout. What? Elle est née dans la littérature Comment tu peux antique. dire une stupidité pareille?
Enfin, je veux dire, des femmes fascinées par les hommes violents et meurtriers, il y en a toujours eu. Tu peux pas le comprendre, etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'Occident, ça n'a rien à voir avec la modernité, ça n'a rien à voir. C'est universel, ça n'a rien à voir avec l'Occident, rien à voir avec la modernité, rien à voir avec les réseaux sociaux. Mais c'est... Enfin, c'est... Et, non, c'est des gens assénaient ça de manière très sérieuse et tout. Il y a tout un fantasme autour de l'hybristophilie. Bah, si t'as 2h30 à tuer, je peux aller jeter une oreille distraite sur la rediff là, qui va sortir ce soir. Mais il y a énormément de fantasmes sur l'hybristophilie. On imagine ça comme étant juste des jeunes filles perdues qui rêvent de coucher avec Ted Bundy. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et bien justement, sûr. On en parle avec cet auteur là, qui a sorti un livre justement sur le sujet qui est extrêmement passionnant. Et c'est chouette justement voilà, d'avoir 3 heures pour pouvoir développer un sujet en profondeur, pouvoir parler, s'arrêter sur certains caps très particuliers. Voilà, parce que c'est vraiment, ça englobe énormément. Alors on n'a même pas pu traiter du sujet dans son intégralité. On va être obligé de faire une seconde partie parce que c'est beaucoup trop long. Mais on parlait aussi d'un fait, tu vois, on parlait tout à l'heure de cette espèce de police de la pensée et puis de le nez dans la culotte des autres. L'international LGBTQ s'est réapproprié aussi le libristophile, puisqu'ils les ont intégrés, si tu veux, dans les dans la nomenclature LGBTQ, avec un drapeau et une définition que les vrais libristophiles, qui sont des personnes en situation de souffrance, parce que c'est une paraphilie, libristophilie, donc qui est répertoriée dans les désordres, les troubles mentaux, et qui n'est sexuelle que dans 3 à 4% des cas. Dans le reste du temps, ça reste très très différent. Et ils se retrouvent embringués là-dedans, et à leur corps défendant. Tu peux même dire embrigadés. Hein. Même embrigadés, oui, moi c'est ça. Et eux ne veulent pas, ils refusent. Non, mais nous, c'est pas du tout une orientation sexuelle. L'hybristophilie, c'est un problème psychologique, c'est une paraphilie, ça se soigne, c'est une situation de souffrance, c'est... Enfin, voilà, c'est très compliqué, donc je trouvais ça assez important et intéressant qu'elles viennent pour en parler, justement. Bon, c'est vrai que ça repassait le sujet que je traite d'habitude sur la chaîne, mais... Et c'est ce que j'aime, voilà, c'est que sur Twitch, on peut traiter de sujets comme ça en profondeur et dans la longueur. Arrête avec tes allusions. Je sais, oh, mais... Oh, mais... Soir, hein, c'est le premier samedi du mois, mais non, mais mon public Je sais qu'il est très chaste. Public chéri, mon amour. Voilà, je m'excuse profondément pour ce sous-entendu graveleux. Mon président. Pouf, pouf, je recommence. Oui, mais on essaie, c'est le premier samedi du mois, mais je n'ai jamais pu m'en passer. C'est comme ça, je reste avec mes vieux réflexes d'adolescent. C'est comme ça. J'ai pas la passoire à nouilles pour la secouer. C'est pas une contrepétrie, attention, pour la secouer devant mon écran. Pour secouer quoi ? La passoire ou... Les deux ! En fait, on peut faire ça qu'à quatre mains. Tout à fait. Alors là, c'est comme une belle sonate, si tu veux. C'est que le premier samedi du mois, c'est forcément à quatre mains. C'est forcément à quatre mains. Mon cousin, bien sûr. Bon voilà, c'était juste pour te dire 2-3 bêtises et puis c'est à peu près tout. Donc je ferai un live sur la chasse et la ruralité. Je sais que tu as bougé en milieu rural il y a pas longtemps. Je vais faire un live sur la chasse et la ruralité avec ce bon ami Richard, tu sais, de la chaîne Richard sur Terre, qui est un homme que j'aime énormément. Voilà, vous êtes mes deux belles rencontres de YouTube, tous les deux. Et si tu as envie de passer quand on fera le live, je pense, on va essayer de le faire jeudi prochain, peut-être le jeudi d'après, je vois. D'accord. Et ça risque d'être plutôt intéressant. Ouais, alors ça va peut-être être un petit peu compliqué pour moi parce que je dois monter à Paris pour différentes raisons le week-end prochain. Et donc, il n'y aura pas d'émission samedi. Et comme j'ai beaucoup de mal à faire maintenant 6 ou 7 heures de route pour ensuite enchaîner sur une soirée, donc je vais partir le jeudi pour faire les deux tiers de la route, si tu veux, voilà, le jeudi, pour me reposer le jeudi et faire la fin de la route le vendredi pour arriver à temps pour suivre
suivre un certain nombre de choses, en particulier une conférence qui a lieu à la mairie de Paris, une conférence sur 2 jours sur, organisée par une Choléra? non, en fait, Non. sur Laïcité sans frontières. Avec des tas Ah, de, intéressant. voilà, qui est très intéressante parce que il y a des tas d'invités, dont en particulier des Anglais, en particulier Mariam Namazi, donc ça commence à nous faire exister dans la sphère anglo-saxonne, et ça, c'est quand même Ok, très intéressant. hyper intéressant et hyper important, parce que de plus en plus d'anglo-saxons commencent à regarder le modèle laïque français avec les yeux de Chimène, en disant, mais peut-être le truc des Français est peut-être pas si mauvais que C'est ça, pas mal, c'est c'est peut-être pas pas mal, si mal, c'est ouais. peut-être plus efficace que le ah ben, à condition qu'on se débrouille pour le faire survivre, c'est peut-être un système qui est plus fiable et plus juste et plus Ah, que le intéressant système anglo-saxon des communautés, mais oui, ça. communautariste. Voilà. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Ouais. Et donc voilà, donc je serai à Paris les 8 et 9. En tout cas, ça Tu vois, c'est une c'est très belle ville, hein. si mignon. Enfin, Tiens, avant de ce qui partir. en reste de ce que folie Ah oui, dingo ça c'est n'a pas clair. saccagé. Je voilà, Ah, quelle pitié, on non mais y était alors il y a très longtemps encore, ça c'est l'annonce clair. du doublement des tarifs des transports publics J'ai vu ça. et pendant le temps des Jeux Olympiques et les employés des ouvriers sans papier qui envahissent les chantiers pour ça va être Ah mais un désastre. C'est après ça chronique mérite d'un désastre annoncé. vu la qualité des transports publics parisiens, ça vaut bien le double minimum. Moi Ah j'aurais bah, même tu triplé le m'étonnes. prix hein, pour le Voilà. service et la qualité de Ah bah service, mais bon. clairement, avec les odeurs de pissotière et de chiottes à tous les coins à tous les coins de Mais non, stations c'est clair. d'échange, c'est merveilleux, oui. Tiens, bah, avant de partir, je vais te poser une petite question parce que je Dis-moi. regarde ton avis sur cette polémique, Victor, par rapport aux crèches de Noël. En ce moment, j'ai trouvé ça assez amusant. Je n'avais pas suivi ça les années d'avant, pardon, mais visiblement, c'est quelque chose d'assez récurrent et comme Monsieur Propre. Je vais arrêter. Et t'as un avis là-dessus ou pas? Parce que moi, j'ai du mal à me situer. Je trouve que c'est un petit peu aussi de la querelle de queue de cerise. Et en même temps, je sais pas. Est-ce que toi, tu t'es forgé un avis sur le sujet ou pas? Alors en fait, l'avis que j'ai, c'est que ça dépend de l'intentionnalité du maire qui fait ça. Si c'est un maire de gauche qui fait un sapin et met pas une crèche par exemple, qui met juste un sapin de Noël avec des cadeaux, à une distribution de cadeaux aux enfants qui ont pas la chance d'avoir des familles, qui ont la possibilité de leur payer des vacances ou des machins, etc. Moi, ça me pose strictement aucun problème de faire ça à la Ouais, mairie. c'est ça. Quand il s'agit de faire une mairie, de faire une crèche avec en appuyant sur le côté religieux en tout cas chrétien ou catholique, de la symbolique dans une mairie qui ne fait que mettre en avant les racines chrétiennes de la France, tout ça, etc. Il est évident que la manipulation n'a rien à foutre là et que ça n'a Ouais, rien à voilà, oui, foutre c'est là. bon. Alors les sapins, moi ça me pose aucun problème. La distribution de cadeaux, enfin je vous jure, c'est une fête païenne au départ, donc on s'en fout. Ouais. Les crèches à but promotionnel de la politique de la mairie, non. Les crèches et les sapins dans une salle de la mairie prêtée comme salle en plus, par exemple, au curé du coin parce qu'il n'a pas la place, parce que, etc., ça ne me pose pas de problème non plus. Si c'est un Ouais, je bâtiment vois. qui est mis à disposition pour accueillir la crèche ou le machin, etc., que ce n'est pas le bâtiment public, perso, moi, ça ne me pose strictement aucun problème. Ça fait partie de la tradition, enfin, le marché de Noël, le machin, le truc, bon. Voilà quoi, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre culture. C'est ça qui me posait problème, parce que après j'ai remarqué que là ils citaient systématiquement des mairies RN et compagnie, parce que voilà. Mais voilà, moi Non mais je ça trouvais que c'est de la c'était fausse pour faire laïcité, beaucoup. ça c'est de la fausse laïcité parce Voilà. que d'un côté ils font ça et de l'autre Parce que côté... c'est la LDH qui a lancé ça, et la LDH est plutôt complaisant avec d'autres cultes, Ah mais d'après ce que je sais, complètement, puisque. c'est-à-dire qu'on
on peut taper sur les curés, mais pas touche aux imams. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi. La tartufferie se porte bien, quoi, tu vois. La laïcité, elle dos large. Donc, au bout d'un moment, il faut être honnête. Ou tu tapes sur tout le monde de la même manière, ou tu donnes des aménagements à tout le monde à peu près équivalents. Maintenant, je ne pense pas que louer un stade pour permettre l'égorgement de 10 000 moutons au moment de l'Aïd, ce soit équivalent au fait de planter un sapin avec des guirlandes. Effectivement, il y a une petite marge de manœuvre. Il y a une nuance. Hein, il y a une nuance, oui. Pas la même chose. Parce que là, d'un côté, il y a la tradition, etc., qui est festive, et 90% des gens sont juste joyeux parce qu'il y a des illuminations, c'est joli, machin, le marché de Noël. Et le côté religieux est vraiment, mais très, très en arrière et très, très. Et n'a strictement aucune importance, pratiquement. Alors que soutenir un acte religieux, c'est complètement différent. Oui, bien sûr, mais tu sais que c'est très difficile d'expliquer la laïcité à la française à quelqu'un qui ne la connaît pas. Mon épouse, par exemple, qui est shinto, mais qui est croyante, mais pas extrêmement. Enfin, bon, on en a déjà parlé hein, la dernière fois, syncrétique, tout ça. Elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de nativity, donc de crèche un peu partout, alors que dans les films, elle en voit beaucoup. Mais je dis, les films, c'est aux États-Unis. Déjà. Oui, là, il y a des crèches dans les écoles, dans les mairies, dans les stations, sur les places du village, etc. Et ici, on est en France, oui, mais elle m'a dit, mais c'est un pays catholique. Je lui dis, enfin, c'est un pays, oui, enfin, c'est très compliqué. J'ai essayé de lui expliquer le principe de la laïcité, etc., etc. Et c'est vraiment complexe à expliquer avec des mots choisis à quelqu'un qui n'a pas cette notion d'état laïque sur le Japon, et pas un état laïque, il y a une religion d'état dont tout le monde se fout, mais il y a quand même une religion d'état. Et c'est vrai que c'est très complexe d'expliquer ça. Et pourquoi il n'y aura pas de crèche? Là, il y a un très beau village de Noël à côté de chez nous là, qui vient de se monter, avec des Pères Noël, des sapins, des boutiques de vin chaud, des choses très sympathiques, mais pas de crèche. Alors, elle me dit, mais elle est où la crèche? Alors, je dis, si tu veux voir une crèche, il faut aller à la cathédrale, il faut rentrer dans la cathédrale, et à l'intérieur de la cathédrale, là, il y aura une crèche. Voilà. Ouais, morte, pas vivante, pas morte, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais... Non, mais le biberon de Jésus est gelé, là. Faites quelque chose. Du vin chaud. Je suis sûr que si Jésus avait... Si tant est qu'il a existé, je suis sûr que s'il avait bu du vin chaud, la face du monde aurait été changée. Oh bah, avec un petit peu de cannelle, dis donc. Hein, on est bien. Ah. Bon, cher baron, je vais te laisser. Je vais aller retrouver mon épouse qui, m'est avis, est en train de faire à manger. Et comme c'est mon tour de faire à manger, je ne voudrais surtout pas qu'on me taxe de masculiniste exploiteur. Hein ? Mais de toute façon, tu as utilisé des moyens de coercition occidentaux pour te payer une femme soumise, puisque tu as choisi bien une sûr. Femme asiatique, et on sait que toutes les femmes asiatiques sont... Elle est ultra soumise. Sont complètement sont hyper soumises. Ah oui, surtout la mienne. C'est si un principe. Si tu la connaîtras, tu verras que c'est la soumission même. Oui, ça aussi, il faudrait qu'on en parle un jour. J'ai vu passer ça aussi parfois dans mes commentaires. Ah ben moi, j'y ai eu droit, hein, puisque une bonne partie de mes petites amies étaient d'origine afro-caribéenne, pratiquement toutes. Et donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais oui, mais bon, c'est parce que tu as, en tant qu'occidental, tu as utilisé tes fantasmes d'oppression, de machin, de trucs comme ça. Voilà. À quoi il a fallu que je leur explique qu'en général, les femmes avec qui j'avais eu des relations gagnaient beaucoup mieux leur vie que moi. Tu sais, j'ai lu tellement d'inepties et de bêtises par rapport à ça. Je m'étais même pris le nez au début de la chaîne quand on me parlait de ma famille, machin. Mais je crois même que c'était avec ce bon Wissam, si je ne m'abuse. c'est une catégorie généreuse de ta part. Avec ce bon Wissam, pour qui se marier avec quelqu'un qui n'est pas de son ethnie quand on est européen, c'est une forme de colonialisme. Ah ben oui, mais voilà, c'est ça. Il faudrait que je retrouve nos échanges, j'avais enregistré. C'était ce bon Wissam, ah ben tiens, je me disais aussi. Le génie est partout, comme dit l'autre. Ah, le génie des alpages. Bon, allez, je t'embrasse.
Je souhaite à tout le monde, je vois qu'on me souhaite un bon appétit, je vous souhaite également un bon appétit. Faites pas trop de bêtises. Aussi, allez-y, faites-vous plaisir, c'est samedi soir. Et on se dit à très bientôt. Bye Ça marche, je t'embrasse. Ciao. bye, je t'embrasse. Ciao. Eh ben, c'était très intéressant. Voilà, on s'est bien marré. C'est toujours un vrai plaisir de recevoir ce bon Alexandre. Voilà, donc nous avons parlé de trois trucs. C'est vrai que je suis pas, honnêtement, ces débats sur les crèches et sur les sapins et sur les santos m'intéressent moyennement. Ça fait des années que je me suis fait à peu près cette opinion. Je n'ai pas suivi l'actualité à ce propos. Donc honnêtement, enfin voilà, si vous avez des infos, voilà, mais en général, on remarque que ce sont plutôt les mairies de droite ou d'extrême droite ou voilà, qui tiennent absolument à mettre en exergue les racines chrétiennes de la France en collant des crèches et des sapins au sein même de la mairie. Comme je l'ai dit, autant les sapins, ça ne me dérange pas vraiment. Autant les crèches, non. Pour moi, c'est très beau, mais ça n'a rien à foutre dans les bâtiments publics. Voilà. Oui, comme dit Fer Mackenzie, oui, c'est souvent Robert Ménard qui nous fait le coup de la crèche, oui, absolument. Voilà. Voilà. Tout, 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 tout. Parce que c'est culturel. Hein. Ouais, exactement. C'est culturel. Hein. Voilà. Donc, bon, bah, finalement. Donc finalement, est-ce que nous avons un autre intervenant? Je ne sais pas. Il y avait Joaquin qui a toujours pas compris comment il fallait s'y prendre, manifestement, Joaquin. Donc alors Joaquin, si vous voulez intervenir, il faut aller sur le serveur, il faut vous rendre dans un serveur vocal. Voilà, il y a marqué salon vocaux, vous allez là-dedans. Et ensuite, vous demandez la parole et on vous mettra dans un salon qui s'appelle Test des intervenants avant de me signaler que vous voulez prendre la parole. Voilà, c'est assez simple. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, à propos du serveur Discord, Fer Mackenzie qui me dit on pourra vous rencontrer entre les 8 et 9 décembre. Bah oui, bien sûr. Je ferai ou un petit live ou un truc comme ça pour dire où on peut me retrouver. Voilà, pour prendre rendez-vous. Et faut que je voie avec les personnes, entre guillemets, qui me reçoivent, puisque je suis, entre guillemets, reçu par des personnes qui veulent rester discrètes. Donc moi, ça ne me pose aucun problème de me, entre guillemets, mettre en danger, mais il n'est pas question pour moi de mettre d'autres personnes en danger. Voilà, donc. Je signalerai ma présence et puis après, je demanderai aux personnes qui organisent le truc si je peux communiquer l'adresse à d'autres personnes, si ça pose pas de problème, etc., etc., etc. Voilà. Il y aura des chats? Non, il y aura pas des chats. Je sais que c'est très décevant pour Calnos, mais non, il y aura pas de chats. Voilà. Les chats ne sont pas des démons, ce sont les maîtres de l'univers. Faut suivre, Jonathan. Voilà. Donc finalement, est-ce que vous voulez que nous regardions la vidéo de... Est-ce que c'est vraiment intéressant de regarder la vidéo du Fou-Allier? Il y a quelqu'un qui veut du... Frère Paul Adrien, est-ce qu'on a une vidéo intéressante du frère Paul Adrien? Je vais regarder s'il y a une vidéo intéressante du frère Paul Adrien. Est-ce qu'il y a un truc qui peut nous chauffer, nous intéresser? Parce que j'ai vu qu'il y avait de nouvelles vidéos qui sont sorties de chez Islam et Culture, qui s'attaquent à Majidoukacha. J'ai vu que nous avons aussi Rappel Souna qui nous a fait aussi un nouveau truc. Voilà, il y a aussi. Une vidéo qui a beaucoup de succès chez Minute Islam, qui est à propos de la fin des temps, eschatologie. Il y a aussi, je sais pas, qu'est-ce que frère Paul Adrien, je
Jésus musulman qui répond à Frère Paul Adrien. Oh là, la vache! J'ai idée que le débat va. J'ai idée que le débat va voler haut. Jack le fou, Jack le faux. 20 000 vues en 4 semaines. C'est un peu léger, hein. C'est pas un succès absolument monstrueux pour quelqu'un qui a 55 000 abonnés. Honnêtement, c'est un peu léger, hein. Apparemment, il y a une petite réponse à Paul Adrien, Mohamed et quatre vérités historiques qui dérangent. Ah, ça peut être rigolo. Ça J'ai peut être maintenant les idées un peu rigolo. plus claires sur ce que je pense en fait. Ça peut être rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Adieu fastidieux, qui dit, il y a la vidéo de Sam Parle intitulée Climato-confiance et du n'importe quoi. Ça parle de quoi? Tu as commencé à évoquer le Discord, mais t'as pas développé. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, je m'égare. À propos du Discord. Donc vous savez qu'on a le serveur Discord que vous connaissez, machin, truc chouette, voilà, etc. Un certain nombre de personnes ont attiré mon attention sur un certain nombre de petits problèmes. Voilà, parce que comme le nombre de personnes qui me suivent sur la chaîne, sur Twitter, ici et sur Discord augmente quand même de façon significative, eh bien, il se passe un certain nombre de choses. C'est qu'on est obligé de prendre des mesures de protection, de vérification, de modération, des propos, etc., etc., etc. Et dans ce but, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé au fait de mettre en place un nouveau serveur, tout nouveau, tout beau, plus complet, mieux foutu, mieux pensé. Voilà, et donc les personnes qui se sont impliquées sont Renard, un irréductible Renard que vous connaissez certains si vous êtes déjà sur le serveur de départ. Nous avons Orne aussi. Donc Renard, c'est carrément emmerdé à faire tout le système, etc., etc. C'est lui vraiment qui est allé dans les détails, les rédactions, le travail sur les droits de chacun, comment, de pourquoi, etc. Les histoires aussi un peu de sécurité. Les gens qui ont réfléchi aux problèmes de sécurité, etc., sont Circé et Hermès. Hermès s'est aussi emmerdé à travailler sur la définition et sur des rôles donc qui seront attribués aux gens. En fonction de ce qu'ils demandent, par exemple s'ils sont athées, s'ils sont agnostiques, s'ils sont musulmans, sunnites, enfin voilà, les différentes choses. Choix qui détermine un certain nombre de droits et de devoirs sur le nouveau serveur. Nous avons Orne qui s'est quand même fait chier à copier tout le serveur d'origine pour le fournir, entre guillemets, clé en main à Renard pour que celui-ci rajoute des trucs et répare ce qu'il y avait à réparer. Et voilà, et nous avons donc Circé et Hermès qui ont travaillé sur le développement des systèmes de sécurité. Donc nous avons 4 ou 5 personnes là, en plus de alors je ne sais pas si Gabriel a été sollicité là-dessus, mais comme Gabriel est à l'origine de 80% du serveur de base, voilà. Donc voilà les 5 personnes, Gabriel, Renard, Orne, Circé et Hermès, qu'il faut remercier énormément pour la mise en place du nouveau serveur et sur lequel nous allons migrer dans les jours qui viennent. Et pour vous donner plus de détails, je me propose de faire monter Renard, puisque c'est lui qui est le maître des opérations. Voilà, voilà, donc je vais le faire noter et on va, hop, il va vous expliquer tout ce qu'il y a à vous expliquer. Est-ce que tu m'entends, mon cher ami? Je vous entends, je vais juste couper le live. Ça marche! Ah, je crois que mon son n'est pas très fort, par contre.
Ouais, le son est pas très fort. Je vais juste peut-être le monter un petit peu. Voilà, je ne sais pas si ça aura une incidence. Est-ce que vous entendez mieux, Renard? 1, 2, 3. Ben, normalement, oui, là, c'est largement suffisant. D'accord. Bien. Alors, cher ami, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les nouvelles fonctions et grandes caractéristiques de ce nouveau serveur vers lequel nous allons migrer dans les semaines à venir au fur et à mesure? Alors, je vais commencer par le système d'entrée. Au tout début, il faudra avoir sur son compte Discord, non pas sur le serveur, mais sur son compte, son numéro de téléphone et son mail pour pouvoir être sûr que vous soyez vérifié par Discord. Et ensuite, pour pouvoir rentrer dans le serveur, il faudra faire un captcha, c'est-à-dire un certain système de sécurité qui est généré procédural, enfin, qui est une génération procédurale. Et ensuite, vous devrez ouvrir un ticket et dans ce ticket, vous pourrez vous présenter. Ainsi, vous n'aurez pas à vous présenter face à tout le monde. Votre présentation sera anonyme, entre guillemets. Personne ne saura qu'est-ce que vous êtes. Et plus tard, vous pourrez choisir d'afficher ou non vos rôles. Alors, il faut Voilà. préciser exactement ce que c'est qu'un ticket, c'est une demande d'entretien individuel. Voilà. C'est un moyen de communication entre l'équipe de modération et Privé. une personne. Voilà. Voilà. Entre vous et l'équipe de modération. Le rôle satellite. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible, mais ça, ce sont des rôles qui sont plutôt minoritaires, tout comme les rôles parodiques. Mais ça va venir plus tard. Alors, on va passer une question que je ne comprends pas, mais peut-être qui fera sens pour vous. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de caractères au ticket? Bah, alors, le ticket en soi, il faut juste indiquer la raison. Si vous voulez, un certain protocole est indiqué dans le serveur. Ou sinon, vous pourrez demander à un modérateur de vous aider là-dessus. Mais sinon, dans le ticket ouvert, qui est en soi un salon, il n'y a pas de caractère limité. Vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez, tant que ce n'est pas du float qui embêtera les modérateurs naturellement. Voilà. Enfin, Mackenzie qui demande si c'est pour empêcher les trolls. Oui, c'est pour essayer de limiter effectivement les trolls, les apologistes plus ou moins agressifs et plus ou moins déclarés, etc., etc. Les espionnages, les détournements de propos, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, il n'y a pas tellement de questions. Alors, j'ai pas tout compris. Parole de geek qui dit c'est aussi pour éviter qu'un terroriste puisse venir recruter pour son organisation. Par exemple aussi, oui. Voilà. Ou venir emmerder un apostat ou quelqu'un qui est en questionnement, par exemple. Voilà. Ah, et aussi, petite précision par rapport au rôle affiché. Vous pourrez choisir indépendamment d'afficher votre rôle d'apostat et vos rôles de conviction à confession. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes apostat. Vous n'êtes pas obligé de dire votre conviction publiquement. Mais vous pouvez demander séparément à ce que l'un soit affiché et pas l'autre. Comme Ça, ça, c'est si bien. vous avez peur parce que vous êtes apostat, vous pouvez demander à ne pas l'afficher. Si vous avez peur parce que vous avez certaines convictions, vous pouvez demander à ce que ça ne soit pas affiché. C'est à vous de choisir. Mais par contre, nous, l'équipe de modération, je vous rassure, ce ne sera que l'équipe de modération qui verra ça. On a besoin de savoir qui est-ce que vous êtes dans vos convictions, vos confessions, ce que vous avez été. Voilà. Alors, Chocolatine qui dit comment se fera le transfert pour ceux qui sont déjà sur son Discord? C'est simple, en suivant le lien suivant. Alors, pourquoi il ne s'affiche pas? J'avais gardé le. Pourquoi il n'avait pas gardé le truc? Il m'avait envoyé le lien, j'avais copié le lien, il n'avait pas gardé le lien que j'avais copié. M'agace? Oui, c'est un captcha Google, Bruno. Hop! Le lien. Non, mais je l'ai, hein. Hop! Ah, Tac. Pouf, voilà. Hop, voilà le lien du nouveau Discord. et petite précision, le nombre d'entretiens par jour est limité à 15 pour pouvoir
pour que le système soit encore plus rodé, pour que les rôles, enfin, qu'on s'en mêle pas les pinceaux dans quand on met les rôles aux gens, et voilà, pour qu'on puisse s'habituer au système. Voilà, il y a aussi leur question, il y aura les suggestions vidéo, musicales ou documentaires. En fait, c'est très très simple. C'est tout ce que vous Oh oui. aviez dans le serveur de départ, vous allez le retrouver dans le nouveau. C'est juste que dans le nouveau, il y a des procédures, des vérifications, des salons, des options qui n'étaient pas disponibles dans le premier. Voilà, c'est tout. Les animaux terribles, comme je l'ai dit auparavant, n'est pas obligé d'afficher tes convictions ou tes confessions. Donc, tu peux très bien venir sans pour autant mettre tes étiquettes. Et si tu veux faire un comparatif, sur l'ancien serveur, tu étais obligé d'afficher ta confession pour peut-être avoir accès à certains salons. Ici, seule la confiance marchera. Ta confession, ta conviction, tes apostasies ne changeront rien. Voilà. Un entretien, ça peut durer à peu près jusqu'à 15 minutes. C'est assez long, mais c'est pour être bien sûr d'avoir tout ça. Pour répondre à Chocolat, vous avez le lien dans le chat qu'on vient d'envoyer le baron, sinon je vais l'envoyer sur l'ancien serveur. Voilà. Non mais Pharmacanzi, je viens de le mettre le lien. Allô? Incroyable. Obligé de leur mâcher le travail, c'est incroyable. Je vois pas s'il y a d'autres questions. Sorcière demande s'il est possible d'avoir le rôle de Chibougnouf à PDC. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y est pas, mais il va pouvoir être ajouté. Voilà. J'ai déjà plein de... Oh, le nombre de personnes qui viennent d'arriver. Bon, non, on n'a pas les 20 personnes. Bonne chance. Oh. Je vais déborder avec toute l'équipe. Ah. Bah voilà. On va être débordé, plus précisément. Hein. Voilà. Donc bah, nouvelle séance nouvelle séance d'alévéquisme. Est-ce que vous avez des questions? Circé qui dit non, c'est moi la princesse. Connasse, mais princesse quand même. C'est magnifique. Génocidax, évidemment. Comme quel couillon. Si une question nous chiffonne, est-ce qu'on peut repasser? J'imagine. C'est pas possible. Non, mais si je communauté de malades mentaux. Encore un ticket. Jonathan qui dit dire chocolatine sur le Discord est-il un motif de ban? Oui, si ce n'est pas le nom que vous avez au départ, oui, absolument. Une seule appellation sera reconnue, celle de petit pain au chocolat. Pain au chocolat, non. Chocolatine, non. C'est petit pain au chocolat. Et rien d'autre. C'est très simple. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Ça peut toujours être utile, Samuel. En Je effet. n'ai pas compris. Je l'ai pas. Honnêtement, je l'ai pas. Kalnos qui dit je vais fonder le front de résistance du pain au chocolat. Bah tu vas fonder ça, mais autre part en fait. Tu vas fonder ça, mais dans ton mouvement de résistance à toi, à l'extérieur de chez moi en fait. Et chocolat au pain croissant. Samurai Knight. Bah, en fait, Samurai Nat
quelque part raison, puisqu'en fait, la pâte utilisée pour faire les petits pains au chocolat est celle que l'on utilise pour faire les croissants, et non pas du pain. Donc, dans l'absolu, on devrait dire croissant au chocolat sans forme de croissant, en non-forme de croissant. Sûrement. Eh oui. Voilà. Amalek, est-ce qu'on peut s'en servir de manière subrogative? Oui, ce sera toléré. Motismart, le Discord n'est pas encore créé, que c'est déjà la dictature. Alors, je suis désolé, le Discord est déjà créé, et comme nous sommes en dictature, vous n'avez pour l'instant pas encore accès. Voilà. Mais nous sommes déjà en dictature, par définition. Vous êtes chez moi. Hey, c'est bien, pour l'instant tout le monde a compris les instructions. Je suis content. Bah bravo, ça veut dire que c'est bien libellé et que nous avons un public de haute volée. Donc c'est très très bien. Obi-Wan qui dit, mais si j'en viens, bon bah alors, c'est quoi cette question? Un décroissant au chocolat, ah c'est pas mal, le décroissant au chocolat c'est pas mal. J'avoue, j'avoue. Mais ah, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la décroissance quand il y a deux... Quand il y a enfin, deux petites barres de chocolat, est-ce que décroissant ne sous-entend pas qu'il n'en faudrait qu'un seul pour moins abîmer la planète? Je vous pose la question. Elsqual qui dit, j'arrive pas, il valide pas mon mot de passe. Ah, tu peux toujours le modifier avec ton mail. Voilà. Ouais, ton mail. Et sinon, pour revenir sur le serveur, il y a beaucoup, enfin beaucoup plus. Il y a quelques salons en plus, notamment des salons un peu plus. Alors, c'est une façon assez sobre de présenter la chose. Oui, mais vous avez accès au salon modérateur, donc vous avez Je, énormément plus de choses. voilà, c'est-à-dire pour moi, ça a été multiplié par trois, en fait, hein, presque. C'est quand même un truc de malade mental. Non, non, mais vraiment, pour bah, vous, vulgaire public, vous n'avez pas accès à toutes les fonctions, ni tous les salons, etc. Vous ne vous rendez pas compte du travail de malade mental qui a été effectué par Renard. Enfin, vraiment, je vous le dis, c'est un truc de fou. Vraiment, je suis absolument épaté. Merci beaucoup. Mais par contre, pour le public accepté, entre guillemets, il y aura accès à des salons un peu plus chill, si je peux appeler ça comme ça. Vous pourrez faire des partages d'images ou de suggestions. Par exemple, il y a un salon où vous pourrez suggérer des films que vous avez aimés ou déconseiller des films. Ou pareil pour la musique. Ça, je sais que ça plaira au bar. Oui, absolument. Et donc, Géosyntaxe nous demande si un salon général est rétrogradé, est-ce qu'il devient un salon colonel? Sûrement. Je pense que Il y a une personne qui a mal compris le système, mais c'est qui? c'est pas C'est grave. qui? C'est qui? C'est Ah, qui? C'est qui? Si, 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 non, si, 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 non, 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 il faut qu'on se moque. Il y en a un, il faut le mettre en exergue. Non, non, je déconne, je déconne. Silence. Silence parce que moi-même, si j'arrive pas à faire mes validations de haut niveau de vérification d'identité, de machin, etc., j'ai déjà tellement galéré que je ne sais pas moi qui vais me foutre de la gueule des autres. Hein. Non, mais il y a des personnes qui réussissent mieux que d'autres. Et Oui, mais c'est ça. aussi pour avoir accès aux salons un peu plus privés, type la Concordaté ou le Salon Athée, les moyens d'acceptation ne seront plus les mêmes. Il ne suffira plus d'être athée. Par exemple, vous pouvez très bien être un catholique anticlérical ou un catholique en qui on a énormément confiance, qui aura accès à ces salons. On aura confiance en Ou lui parce que. un dégénéré païen, hein. J'espère que vous visez personne. Ben si, évidemment, les païens sont des Ah. dégénérés.
Tout le monde le sait. Ben voilà, c'est pas pire qu'agnostique, mais presque. Hein. Mais voilà, et le moyen d'acceptation va être tenu secret entre les modérateurs. Voilà. Pour éviter toute infiltration, toute tentative. Canos qui dit « J'ai rien compris, mais j'écoutais pas. Nous n'en attendions pas moins de vous, cher ami. T'es occupé avec le chat, on a compris. » Bon, il y a des tas de gens qui manifestement ont quelques problèmes avec les mots de passe. Le mot de passe, vous pouvez le réinitialiser avec votre mail, ou sinon, faites attention de voir s'il n'est pas enregistré quelque part, par exemple dans votre base de données de mot de passe Google ou de votre moyen de navigation sur Internet. Sinon, marquez-le sur un papier avec votre mail pour ne pas l'oublier. Oui, parce qu'en fait, si vous utilisez par exemple Google Chrome, si vous utilisez Chrome, il vous propose de garder automatiquement vos mots de passe et ça peut créer des conflits. Par exemple, hein, c'est une suggestion. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne vois rien de plus à ajouter. Ah, il faut que tu expliques le code de vérification. Le code, c'est le code. Le code de vérification, ça, c'est pour les modos, normalement. Ah bah, c'est Féo qui demande. Féo, le code de vérification. Donc, il faut expliquer le fait d'aller chercher une appli qui donne un code de vérif. Ah, ça, c'est pour la double authentification. C'est effectivement les modérateurs qui ont accès à ça, enfin, qui ont accès, qui doivent passer par ça. Voilà. Vous avez une application, vous avez des applications sur votre mobile qui vous permettent de générer un code toutes les 30 secondes, un code à 6 caractères. Voilà, Genocida Xandadonéen, c'est Google Authentificator. Voilà. Personnellement, j'utilise Authy, Authy. Voilà. Petit Smart qui demande s'il y a déjà eu des tentatives d'infiltration. Oui, évidemment. Pour l'ancien. Sur le nouveau, pas encore, mais en même temps, il n'y a eu que 12 vérifiés. Donc voilà. Et surtout des anciens. Et Samuel qui dit qu'il y a une fonctionnalité de double authentification intégrée à l'iPhone. Alors peut-être sur les nouveaux, mais moi sur l'ancien, bon. Quand on est modérateur Twitch, on n'est pas forcément modérateur Discord. Non, pas forcément. Il peut y avoir des gens qui sont modérateurs sur le Discord qui ne le sont pas sur Twitch. Et il y a des gens qui sont modérateurs sur Twitch et qui ne sont pas forcément sur le Discord. Mais effectivement, les deux groupes se superposent assez largement maintenant. Voilà. Elsquall qui dit et comment ça se passe après pour obtenir un entretien? Bah, faut lancer un ticket. Voilà. Et n'oubliez pas de donner vos disponibilités dans votre ticket. Normalement, c'est le quatrième point sur l'exemple de présentation. Et un groom accueillant viendra vers vous pour vous dire que lui aussi est disponible. Voilà. Donc, on va refaire une petite... Chocolatine qui dit « Je n'ai pas compris où mettre le ticket. » Titre. J'ai bien une suggestion, hein. Je ne sais pas dire. Booba, on peut choisir son groom pour savoir où mettre le ticket. Pour lui mettre un ticket, ouais, d'accord, bravo. Donc, pour faire un ticket, vous avez pour aide le salon communication avec staff. Alors, excusez-moi, Baron, j'ai mis staff pour que ce soit plus rapide, plus facile à écrire. C'est scandaleux.
C'est scandaleux. J'imagine bien. Non, mais. Déjà, Groom. Groom, Bon. c'est vous qui l'avez mis sur l'ancien serveur. Oui, bon. Bon, ça passe parce que c'est passé dans le langage courant et que, bon, nos grands hôtels utilisent ce mot. Mais. Guillaume, j'ai cru voir un gros minet. Oh putain. Voilà. Mais non. Mais non, mais là, on est en pleine affliction, quoi. C'est pas possible. Oh. Mais Bouba, t'es pas déjà passé en entretien, toi? Exen, oh, salut Irréductible et le chat, merci pour ta dernière vidéo, surtout, quelle barre de rire. Ah ben, merci beaucoup, bienvenue à vous. Gunther Bendy qui me demande quel est le fondement pour le ticket. Contre-prêterie, ce groupe a l'air minable. Joli oral. Ils sont cons. Mais qu'ils sont cons, mais c'est pas possible. Oh. Puis, bête et bête et bête et à l'esprit mal placé en plus, hein. Oh, vraiment. C'est intolérable. Bon, bah, je pense qu'on a dit l'essentiel. Est-ce que vous voulez préciser quelque chose en plus? Est-ce qu'une question n'a pas été posée? Bon, de toute façon, au fur et à mesure, si les gens ont des difficultés, l'ancien serveur reste actif. Si vous avez du mal à intégrer le nouveau serveur, évidemment, l'ancien reste actif pendant encore plusieurs semaines pour vous permettre de communiquer si vous avez des problèmes, si vraiment vous vous en sortez pas, quoi. Voilà. Et aussi, on préférera ce que vous ayez une connaissance, pas forcément dans la vie réelle, mais une connaissance parmi le staff, pour qu'on puisse vérifier que vous soyez une personne fiable. Bien sûr. Mais après, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça vous coûtera pas l'entrée, mais c'est préférable. Vu que, quand même, là, le but de la nouveauté, c'est on met tout sur la sécurité. Oula, alors, aujourd'hui à 17h45, bah on va peut-être prendre un petit break pour en parler, parce que là, j'avoue que je reçois un message assez curieux. C'est assez curieux parce que je comprends pas de quoi il parle. Mais bon, peut-être qu'on verra ça après l'émission. Si je peux conseiller un truc, on fait une pause le temps que tout le monde puisse rentrer sur le serveur, que chacun puisse aller ch se chercher un petit truc à boire ou à manger, et puis on continue après. Puis si vous voulez parler de quelque chose, on peut en Le parler dans la pause. truc, c'est que si on communique via le Discord, ça va passer quand même dans le son et ça passera dans l'émission, donc ça pose un problème. D'accord. Je peux pas isoler les voix, donc ça veut dire qu'il faut qu'on en discute après l'émission. D'accord. Bon, Voilà. très bien. On va faire ça. Alors, enfin, Mackenzie qui nous dit, je vais me reposer un peu. À plus tard. Oui, bon courage pour la fin de la garde. Bon repos, Farma. Après, Aussi, oui, pardon. je voulais savoir, est-ce que vous allez faire une annonce en mentionnant Everyone pour que tout le monde Oui, bien ait sûr, notifié. bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, je vais faire ça. Bon. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vais prendre un tout petit break et puis après, effectivement, puisqu'on nous réclame, ou on va peut-être lancer un petit sondage pour savoir
Si on se fait islam et culture, les mensonges de Majid Oukacha, la fin des temps de Minute Islam ou le debunk de Paul Adrien, Jésus musulman. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bah. Voilà, on se quitte et puis je vais lancer le sondage et puis on va voir ça. OK? Merci de m'avoir fait monter et puis Bah au revoir à tout le monde. merci pour tout le boulot surtout. Merci pour tout le boulot. Je Merci. remercie aussi bah, du coup Guillaume, Abdel, Circe et vous et Gabriel pour l'ancien serveur. Eh ben Bon, merci. voilà. Ciao. Au revoir. Voilà, donc je vais prendre un petit break. Avant de prendre le petit break, eh ben je vais ouvrir le Twitch. Voilà, on a coupé le son, donc on va y avoir de perturbations. Je vais aller dans le tableau de. Je me souviens jamais, c'est tableau de bord des créateurs. C'est ça? Non, c'est le tableau de bord des créateurs. Non, à chaque fois, je me plante. Putain, je n'arrive pas à. Hop. Tac. Hop. Studio vidéo. Non, c'est pas. Oh, c'est pas possible alors. À chaque... Non, mais il n'y a rien à faire. À chaque fois, je me plante. Je ne sais jamais. Alors. Chaîne. Ok. Ouais, me soutenir. Gnagnagna. Bon, alors, non, mais je suis complètement idiot. C'est quoi ce bordel? Alors, attendez, on va lancer le truc. Où est-ce que c'est déjà? Mais normalement, c'est tableau de bord des créateurs. Pourquoi communauté, contenu, statistiques? Merde, à chaque fois, c'est un peu. Accueil, gestionnaire de stream. Ah, gestionnaire de stream. Voilà, c'est dans le gestionnaire de stream. À chaque fois, j'ai un doute. C'est très pénible. Pof! Nouveau sondage. Quel React? Hop. Debunk PA par JM. 100 mensonges de Majid. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La fin des temps. Fin des temps par c'est Islam Info, je sais plus. Minute Islam. Minute Islam. Minute Islam. Sinon, on pourrait. Je sais pas. Vous avez un truc, peut-être un truc chrétien, parce que là on est vraiment sur du musulman. Est-ce qu'il y aurait un truc chrétien rigolo à. Ben, on a pas regardé finalement chez Paul Adrien s'il y avait quelque chose de rigolo. Ah non, c'est Paul Adrien. Paul Acrien, c'est n'importe quoi. Alors vous, Paul Adrien, l'arnaque au père spirituel. Donc ça, c'est Mohamed, les quatre vérités qui dérangent. Donc c'est à ça que répond Jésus musulman. La femme de Jésus, ça c'est un truc que je vais traiter. D'ailleurs, je peux vous montrer. Hop. Là. L'exercice du Vatican, des faits réels. Ça vous dirait l'exercice du Vatican? Je vous en pensais. Orthodoxe, pasteur prêtre, Poestovacao, les Mormons, Dieu de l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pensais. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? L'exercice, ça a l'air rigolo quand même. Non? Ah, un petit exorcisme. Allez, petit exorcisme. La vérité de l'exorcisme. Attention, le contenu de cette vidéo est destiné à un public averti. C'est ça qu'il va mettre? Ouais! Je suis trop fort. Et peut choquer les plus jeunes d'entre vous.
faire Paul Adrien et la team. Et ça fait tellement Jones de dire la team. Voilà, donc... exorcisme par Paul Adrien. Je n'autorise pas les votes supplémentaires. Voilà. Combien sommes-nous actuellement? J'ai cru voir que nous étions à peu près une centaine, 116, 115, 120. On est combien? Combien sommes-nous? Erreur lors de cherchement des chaînes suivies. Veuillez réessayer. C'est le bordel. Découvrir, je ne sais pas, suivi. Bon, ben c'est le bordel avec l'application Twitch sur mon iPad. C'est la merde. La merde. On fait un commentaire de la vidéo d'Yakov. 117. Non, mais décidément, ça marche pas. Hein. Bon, ok. On est 117. 117, donc on va mettre le maximum de temps de sondage. On va mettre 10 minutes. On va mettre 10 minutes pour une fois, pour vous laisser le temps de réagir. Donc, 117 personnes. Je vais considérer qu'on est à 110. Voilà, je vais être généreux. Je veux 55 votes minimum pour prendre en compte. Sinon, je joue les tyrans. Si je n'ai pas 50% minimum de votants, je décide. OK ? Pas encore vu. Enfin, comment est-ce que... pas encore vu, j'ai du retard. Pour PDC. On fait un commentaire de la vidéo de Yakov. Non, mais bon, on verra peut-être... On verra la vidéo d'Yakov peut-être. Qui est super. Hein. Je veux dire, vraiment, sa chaîne est vraiment super. Bon, vous êtes prêts? Voilà, vous avez 10 minutes. Je sais que c'est un peu plus long que d'habitude. Mais j'ai besoin de prendre un peu fatigué aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Salut Pingus. Voilà. Bon, allez, on lance le sondage. 10 minutes pour avoir un résultat. Je veux minimum 55 votes. Pour prendre votre décision en compte. Si j'ai en dessous, je joue les tyrans. Ça commence maintenant. Et donc, je vais me... Voilà, bouf, et puis je vais mettre en pause. Et puis... Obi-Wan qui dit « Je voudrais faire de la pub à un YouTuber que j'aime beaucoup et qui parle de religion. Si tu aimes ce qu'il fait, faisons-lui de la pub. C'est tout ce qu'il faut savoir. » Oui, c'est pas mal du tout, hein, tout ce qu'il faut savoir. C'est vraiment chouette ce qu'il fait. TB, c'est qui ? Il est un peu fatigué aujourd'hui ? C'est qui TB ? Exen qui disait, désolé, j'ai pas suivi, je reviens d'anniversaire de mon filleul, j'ai un petit coup dans le pif. Du moment que c'est dans le pif et que ça ne fait pas mal, c'est l'essentiel. Bien, donc je vais prendre une petite pause, je joue une petite musique et puis je reviens. D'accord ? Allez, à tout de suite. Thank you.
Thank you.
Bon, me voilà de retour. Je vous avoue que j'avais un petit truc à gérer. Voilà. Bon, sur l'ancien serveur, quelqu'un qui n'est pas content, la modération. Voilà. Quelqu'un avec qui on a déjà eu des petits problèmes. Voilà. De rapport avec la modération. Voilà. Donc, mon niveau de patience commence à nettement diminuer. Il se pourrait que la question se règle de manière un petit peu cavalière, on va dire. Alors, le sondage, j'ai vu qu'il y avait 55%, 53% pour. Putain, il n'apparaît plus. Hop, il faut que j'aille sur la bonne page, voir les résultats. Alors, nous avons Debunk de Paul Adrien par Jésus musulman. Ouh, ça vous agace, hein, sous ça. 53% des votants. Donc 27 plus 18, ça nous fait du 45. 45 plus 4, ça nous fait du 49. 51 votants. 51 votants. On n'a pas atteint le minimum requis. Mais c'est honteux. C'est affligeant, quoi. Il y a plus de 100 personnes qui sont là. J'ai. Putain, 27 votants. Hein? Et pourtant, je vous ai laissé le temps. Enfin, 10 minutes, quoi. C'est insensé, quand même. Bon. Maintenant, en même temps, y a comme un. Hein? Enfin, bon, tout le monde a l'air d'accord. Donc, bah, on va aller là-dessus, hein? On va aller sur la réponse à Paul Adrien de la part de Jésus musulman. Alors, moi, ce que je vous propose, parce que je ne sais pas si si vous connaissez un petit peu Jésus musulman, mais le gaillard est assez, comment dirais-je, est assez coutumier du fait de déformer le propos des personnes, de manipuler les choses. Voilà, donc il fait 14 minutes et la vidéo de départ de Paul Adrien fait, je ne vais pas dire de bêtises, attendez, on va regarder. 4 vérités qui dérangent. Ah ouais, donc pour débunker un truc. Jésus musulman met 14 minutes à débunker une vidéo qui en fait aussi 14. Donc, ça sous-entend que la loi de Brandolini ne s'applique pas. Ce qui est assez curieux pour un débunk. Alors, soit il n'a pas traité tous les arguments, soit. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord la vidéo de Paul Adrien et ensuite de voir ce que Jésus musulman en fait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît plus. Mais voilà ce que je me suis dit. Je suis assez content de moi. Oh putain, il est content de lui. Oula. S'il est content de lui, ça sent mauvais. Honnêtement, hein? Si Paul Adrien est content de lui. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Enfin, en général, c'est pas brillant. Voilà. Donc, on va lui laisser le bénéfice du doute. Je vais prendre de quoi écrire. Et on va voir PA sur 4 vérités. Historique islam. Alors, on va voir. 1. On va voir ce qu'il nous raconte. Et voilà ce que je me suis dit. Je suis assez content de moi. Ça va, Plutôt vous que de entendez partir de bien? ce que moi je pense, qu'en fait tout le monde s'en fout, quoi. C'était plutôt de partir de ce que les musulmans eux-mêmes disaient des zones d'ombre de leurs prophètes. Je me suis dit,
Ça, c'est pas mal. Ça va permettre d'aller plus loin et de toujours veiller au respect, parce que Mohamed, c'est une personne quand même, il a aidé des millions et des milliards de personnes à se rapprocher de Dieu. C'est... Ah, l'œcuménisme, c'est beau. C'est beau. Il a aidé des millions et des milliards de... Oui, oui, à se rapprocher de Dieu en finissant au cimetière. Ils se sont rapprochés très, très, très vite. Ah, le son est un peu faible. Le son est un peu faible. Ah bon, toujours un peu faible. Bon, normalement, ça devrait être bon, non? Alors, ok, alors. Alors, il est content de lui, et puis après, il va dire ce que les musulmans en disent. Je suis à peu près certain que Jésus musulman va l'attaquer sur les sources choisies. Voilà. Je fais un pari. C'est pas mal. Ça va permettre d'aller plus loin et de toujours veiller au respect, parce que Mohamed, c'est une personne quand même, il a aidé des millions et des milliards de personnes à se rapprocher de Dieu. Ça, il faut le respecter. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'une vidéo d'un musulman qui réagissait à une ancienne vidéo d'un chrétien qui allait... trop en frontal, ce qui n'était pas une manière très intelligente de faire, mais je m'étais dit, ça ferait une bonne base, parce que comme ça, ça va t'obliger à entendre l'attention et l'amour que les musulmans ont pour leurs prophètes. Oh, le suceur. Oh, le suce-boule. Aïe, 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 aïe. Et puis d'être lucide sur ce qu'on peut dire, donc voilà, ça ferait une bonne base, bonne vidéo. Première zone d'ombre, Aïcha, la femme du prophète, mariée à 6 ans. In regards to your first allegation of Prophet Muhammad, peace be upon him, marrying a minor, all I can say is that Islam is the only religion to actually prohibit the marriage of minors. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Puisque nous avons des textes, non seulement dans le Coran, qui disent que sur le temps de viduité, c'est-à-dire le temps quand elle est veuve ou quand il y a eu un divorce, le temps où qu'elle doit attendre avant de se remarier. Et ce texte à propos des femmes et du temps de viduité des femmes parle de celles qui n'ont pas encore leurs règles. Donc il y a des femmes en islam qui n'ont pas encore leurs règles. Donc c'est pas la seule religion à interdire le mariage des mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Et en plus, l'âge de la puberté, ça ne veut rien dire, parce que il y a effectivement des petites filles qui atteignent la puberté à 8-9 ans, et puis il y en a d'autres, c'est plutôt à 15. Donc il n'y a pas d'âge de la puberté. Voilà. Donc prohibit consumption of marriage with prepubescent person, Coran, c'est faux en fait. Voilà, et il suffit de regarder les vidéos de Jack le Fou pour le constater. Voilà, donc, je vous passe des petits extraits, je fais pause, et je commente, hein, tout le monde a compris. Donc ça, c'était la question de Aïcha, la femme préférée de Mohamed, avec laquelle il s'est marié quand elle avait 6 ans, et il a eu des rapports sexuels avec elle quand elle avait 9 ans. Donc ça, c'est attesté par la Sunna, par la tradition. Absolument. On parlait hadith. En ce moment, vous avez quelques exégètes qui veulent vérifier si jamais c'était bien 6-9 ans, mais... pour 95-99% des musulmans, pour la tradition classique, 6 ans et 9 ans, l'âge du rapport sexuel. Donc évidemment, pour nous, ça nous pose quelques questions. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir la réponse que donne Talk Islam en nous disant que quand on regarde bien les textes, l'islam, en fait, interdit le mariage avec les filles prépubères. Ce qui est faux. C'est faux. What I can say is that Islam is the only religion to actually prohibit the marriage of minors who have not reached the age of puberty. C'est là qu'on voit la capacité de Paul Adrien à aller chercher les bonnes informations, en fait. C'est assez fascinant. Je fais ma petite pause. Je sais que ça... Alors, quelqu'un qui dit Magavi, la Sunna et les Hadiths, c'est pas la même chose. Alors, la Sunna, c'est l'ensemble des règles, des lois, de l'orthopraxie, etc., qui s'appuient sur le Coran et sur les Hadiths, par exemple. D'accord ? Donc la Sunna, ce qui est extrait du travail des savants, de l'exégèse, qui s'est appliqué sur le Coran et sur les Hadiths. Voilà. C'est ennuyant d'avoir toujours les pauses. Bah, si, j'ai pas trouvé d'autre solution. Je regardais là les versets, c'est pas d'une clarté évidente. Et si... Merci. Si jamais j'allais sur Google, est-ce qu'en islam, une fille peut être mariée avant ses menstruations, j'obtiens aussi des réponses différentes.
Alors, on me dira que je ne suis pas un spécialiste de l'exégèse coranique et qu'il y a peut-être une manière de le lire. Je regrette qu'il n'y ait quand même pas plus de... Non, il y a pas... C'est comme pour la Bible. Enfin, je veux dire, quand ça dit « tuez-les », « lapidez-les », ça veut pas dire... Quand on dit « esclave », ça veut pas dire « serviteur ». Non, non, il n'y a pas de problème de traduction. Clarté que ça sur une question aussi importante, et que si jamais vraiment l'islam interdisait le mariage avec des filles prépubères, ben Mohamed se serait pas marié avec Aïcha. Donc j'ai quand même du mal à croire dans la clarté de ces versets là. Bon, mais la vidéo continue ensuite en disant qu'on peut pas comparer les époques entre elles. In different times, in different places, people mature and develop differently. On connaît bien cet argument. À l'époque, à 9 ans, les filles étaient prêtes plus tôt, etc. Alors qu'en fait, toutes les études médicales montrent très exactement le contraire, à savoir que l'âge de la puberté a descendu très nettement au cours du XXe siècle. Au début du XXe siècle, la moyenne de l'âge de la puberté pour les filles était aux alentours de 15 ans, si je ne me trompe pas. Et maintenant, on est tombé aux alentours de 12 ans, en particulier, enfin en tout cas en Occident, en particulier à cause de la nourriture qui contient des œstrogènes, des choses comme ça, enfin des produits chimiques qui ont une influence sur la façon dont notre corps fonctionne. Voilà, donc non, c'est le contraire en fait, c'est le contraire, en ces temps-là, la puberté arrivait plus tard que maintenant, donc non, ça ne tient pas. You cannot simply compare the time and place of Muhammad, peace be upon him, to the time and place we're living today. Today we have iPhones and... Alors, c'est vrai hein, que la culture dépend en très grande partie de votre culture, de votre contexte, bon, sauf que c'est précisément le but de la religion, que d'avoir un message qui transcende ces époques-là pour vous montrer le chemin éternel du bien. Là, il a raison. Donc, si un message est obsolète, ça veut dire qu'il n'est pas divin. C'est aussi simple que ça. Ou alors vous n'êtes pas un prophète, quoi. Alors, après, la vidéo continue en comparant ça avec ce qui se passait au temps de Jésus. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de mettre les choses aussi en perspective. Let's compare it to the context of Jesus. Oui, donc on compare l'an 700 à l'an 1. Donc, comparer l'époque de Jésus à celle du prophète Mohammed, où il y a presque 1000 ans de différence, à une époque où il y a pas mal de progrès techniques et philosophiques, ça paraît quand même vachement tiré par les cheveux. With none other than the best of women to have walked this earth, Mary, the mother of Jesus. She got married to Joseph, who was 90 years old when she was only 12 years old. Joseph, à quel moment il est marqué qu'il avait 90 ans et qu'elle avait que 12 ans? C'est quoi ce délire? You have to understand there is... Précisément, Joseph et Marie n'ont pas couché. Donc en fait, ça dit exactement le contraire de Mohamed qui couche avec Aïcha à 9 ans. Alors là, j'ai quand même un doute parce que je me demandais d'où ça sort le 90 et le 12. Voilà. 90 ans, Joseph, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors... Voilà. Et l'argument des musulmans, c'est de dire oui, mais les textes bibliques ont été manipulés, voilà, pour cacher ces vérités, comme d'habitude, quoi. Le complot judéo-messianique. Alors, je me demandais d'où ça sortait, le coup des 12 ans. Alors, j'ai trouvé. En fait, ça vient de Wikipédia anglais. Alors, pour le coup, Wikipédia anglais, c'est bien parce qu'il y a des bonnes références. Donc voilà ce qu'ils disent. Selon... Oh, le Jésus de... Je l'ai vu, ce film. Le Jésus de Zeffirelli, si je ne me trompe pas. Ça, c'est tiré de la vie de Jésus de Zeffirelli, si je ne me trompe pas, que j'ai vu à côté de chez moi quand j'étais gamin dans un énorme cinéma qui était... Alors, c'est très amusant parce qu'en fait, c'est ce cinéma qui était avenue Bosquet est maintenant le siège du MEDEF. Ça en dit beaucoup sur l'époque. C'était un des plus beaux cinémas de Paris. De la même manière que le Kino Panorama, qui était un des plus beaux cinémas d'Europe, a été remplacé parce qu'il faisait plus assez de pognon. La salle a été, enfin tout le bâtiment a été redivisé pour faire d'un côté un Starbucks et de l'autre côté une salle où les bourgeoises viennent courir sur des tapis. Voilà, c'est beau.
l'ancienne coutume juive, Marie, techniquement, aurait pu être fiancée à l'âge de 12 ans. Et là, vous avez la citation qu'il nous donne. Mais, et c'est ça ce qu'il ne dit pas, ce qu'il oublie de dire, la de 14 ou 15. Femmes juives en Palestine à son époque, c'est-à-dire au Second Temple, se mariaient quand elles avaient entre 16 et 20 ans. Voilà. Et avec une autre citation, avec un autre exégète encore plus récent, de dire... L'exégèse, si jamais vous en faites, il faut en faire jusqu'au bout, il faut tout citer. Donc c'est comme en France. En France, vous avez l'âge légal, c'est 16 ans, mais personne ne se marie à 16 ans. Bon, ben, c'était pareil à l'époque de Jésus. Donc Marie n'avait pas 12 ans et demi. Et voilà. Donc là, on a une bonne... voilà. C'est... Alors, les religions en général sont assez sophistes et menteurs, etc. Mais je crois vraiment que, honnêtement, hein, de ce que je vois, moi, de ce que j'observe, je trouve que les musulmans sont encore plus malhonnêtes que les autres. Ce qui est une performance. Bon, nouveau sujet maintenant, nouvelle zone d'ombre, la polygamie de Mahomet, que la vidéo compare avec ce qu'il y a dans la Bible. Firstly, read your Bible. Abraham, how many wives did he have? Two. Sarah and Hajar. Alors, Hagar, c'était pas une épouse, c'était une concubine. Donc déjà, c'est différent. Puis en plus, une concubine qui n'a pas eu le choix. Donc bon, c'était plus une esclave sexuelle qu'autre chose, hein. Faut pas oublier la GPA sans demander l'autorisation à la mère, hein. Prophet Solomon, 700 wives and 300 concubines. Bon, reprenons. Voyez, jamais un chrétien ne dira que l'Ancien Testament est le sommet de la révélation. Le sommet de la révélation, c'est Jésus. Et Jésus et la polygamie, c'est parfaitement clair, hein. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et pourquoi il s'attachera à sa femme, et pourquoi tous les deux ne feront plus que un. Bon. Et à partir de là, on relie Abraham, et en fait, on s'aperçoit que la Bible n'arrête pas de prendre la défense de Sarah pour dire que ce que lui fait subir Abraham, c'est pas super, super. Pardon ? Ce que Abraham fait subir à Sarah... Non mais... c'est elle ! C'est elle, parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, qui lui fourre Agar sur les genoux. Là, c'est lui qui ment. Là, c'est lui qui ment. Clairement. C'est pas du tout Abraham qui exige au départ. Les textes sont absolument clairs, et vous le savez, puisque je les ai traités dans les audios dans le texte. C'est Sarah qui veut que... avoir un fils par subrogation et qui donne Agar à Abraham pour pouvoir récupérer le fiston. Fiston qu'ensuite elle balance quand elle-même tombe enceinte. Donc Sarah est la dernière des sacripanes, pour pas dire autre chose. Voilà, et c'est pas du tout Abraham qui lui impose ça, c'est complètement fou. Et que Salomon, bah, ses 300 femmes, c'est à cause de son harem qu'il a apostasié à la fin de sa vie. Donc en fait, c'est une lutte critique. Donc là, bon... C'est à cause de son harem qu'il a apostasié. Bon, bah, je reviendrai sur l'histoire de Salomon un peu plus tard. Bon, contresens. On salue l'effort. Malheureusement, ça marche pas. Et on retourne à la vidéo. It's also important to note that out of all of his wives, all of them were ex-divorcées or widows. Oui, effectivement, y compris celle dont il venait de décapiter le mari. C'est énorme. Effectivement, elles étaient divorcées ou elles étaient veuves, qui est beaucoup plus de veuves que de divorcées, tout simplement parce que, alors, divorcées, faut bien se rendre compte, parmi les divorcées, il y a la femme de son fils adoptif. Et donc Mahomet a eu une révélation pour dire à son fils adoptif, non mais il ne faut pas que tu épouses, il faut que tu divorces de cette femme-là parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Et ensuite, il y a une autre révélation qui est tombée en disant, mais par contre, elle est très bien pour moi et donc je vais l'épouser. Voilà, donc en fait, il a piqué la femme de son fils adoptif. C'est vraiment la classe. Donc effectivement, c'est une divorcée. Et puis, il y a aussi, comment elle s'appelle Alors, c'était pas sa femme, mais c'était une de ses concubines les plus importantes. Il ne l'a jamais épousée. C'était Marie... comment elle s'appelait ? Marie la Juive, je ne sais plus. Non. Bref, qui lui avait été offerte par le pharaon, qui lui avait offert elle et sa sœur.
qui avait été offerte comme esclave, hein, sexuelle, comme cadeau à Mahomet. Et donc, il les a gardés. Donc, il y avait aussi des divorcés, des veuves et surtout des esclaves. Et pour ce qui est des veuves, il y a, je ne sais plus laquelle, c'est en gros, je crois que c'était une juive d'ailleurs, il a tué son père, sa mère, son mari. Et une fois qu'il a dégommé sa famille, il l'a épousée. Voilà, donc, bon, la classe. Je ne sais plus comment elle s'appelait, elle. Marie la Copte, ouais, c'est ça. Except for one. This is not a man who was chasing her. J'adore le except for one. Il précise pas laquelle. Marie la Copte. C'est magnifique. Non, non. Alors, on a déjà parlé d'Aïcha, qui n'était ni veuve ni divorcée. Ensuite, vous avez Khadija, Voilà. qui effectivement était veuve, mais était tellement riche qu'en fait, c'était pas Mohamed qui la protégeait, c'était elle qui protégeait Mohamed. C'est ça. Je le rappelle, vous avez aussi Zaïneb, la femme de son fils adoptif, duquel il s'est marié. Vous aviez ensuite les esclaves avec lesquels Mohamed couchait, parce qu'il y a une révélation pour lui permettre de coucher avec des esclaves. Donc non, ça marche pas, je suis désolé. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, il utilise le site que j'utilise aussi sur la traduction qui permet d'avoir entre guillemets, les bonnes traductions. Qui est, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, c'est ça, coransol.com. On est sur le même site qui propose. Alors, quand on clique sur les versets, choisir la sourate, bon, on va dire sourate 2, choisir le verset, etc. Donc, qui ont la version arabe classique du verset. Voilà, donc vous avez la version arabe. En dessous, vous avez la traduction classique du verset par l'Oregon State University. Puis après, vous avez des traductions alternatives. Voilà, après, vous avez les détails du mot par verset, etc., qui expliquent. La grammaire, les racines, etc., etc., etc. Donc, c'est une source, enfin, c'est une source qu'on utilise tous, quoi. D'accord? Y compris Jésus musulman. Non, tout ce que vous voulez, mais non, pas à ce point-là. Donc l'islam a restreint la polygamie. Ça, c'est vrai, et c'est à mettre à son actif. À son époque, ça a été une avancée pour les femmes. Mais ensuite, maintenant, bah, il aurait fallu aller plus loin aussi. Donc après, la vidéo bascule sur un autre sujet, sur la question de l'adultère, ce qui va nous emmener à la question épineuse de la lapidation. Et Vous vous rendez compte à quel point il utilise de plus en plus des images générées par IA? Vous avez vu? Il n'y a presque plus que ça. Hein. Là, Talk Islam commence par dire qu'il y a un vrai problème avec l'infidélité dans les sociétés occidentales. Pour le coup, c'est pas moi qui dirais le contraire. Là. C'est vrai que l'infidélité, c'est vraiment un truc qui n'existe que dans la société occidentale moderne. Avant, ça n'existait pas du tout quand nous avions une société beaucoup plus soumise à la catholicité. La tromperie entre hommes et femmes dans le mariage, ça n'existait pas, absolument. Les femmes n'avaient jamais d'amant et les mecs n'allaient pas au bordel. C'est connu. Voilà. Et c'est vraiment qu'en Occident, hein, parce que c'est vrai qu'en Asie, c'est un truc mais totalement inconnu. Hein, vraiment, voilà, c'est ça. En Afrique non plus. Voilà. Et le mec. A raison. And since you brought up the issue of Il a adultery, raison. Voilà. Voilà. I'm just going to let you know that 30 to 60% of couples in the US actually fall. Buzz Shackleford, 97. Susceptibility to infidelity in the first year of marriage. Dans la première année de mariage. D'accord? Voilà. Donc, et lui, il dit, touche le 30 à 60% des couples mariés aux États-Unis. Il fait une généralité sur toute la longueur, sur tous les couples. Enfin, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est vrai. Il y a un vrai problème d'infidélité dans les sociétés contemporaines. Bon, la question après, Non, 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 non. C'est pas particulier. On ne sait pas d'où il sort ça. Ouais. c'est comment est-ce que vous allez lutter contre ça? Ce qui nous amène au sujet de la vidéo, parce que Mahomet, sa manière à lui de lutter contre l'adultère, c'était par la lapidation. The whole purpose of the punishment of adultery Oui, isn't oui, oui, oui. Tuer quelqu'un, c'est pas une punition. Hein.
Mais voilà, pour te servir d'exemple pour les empêcher de le faire. Voilà, donc en fait, on punit pas la personne qu'on tue. C'est juste un truc exemplaire pour toutes les autres en disant, bon, c'est pas du tout de la menace, c'est pas du tout du chantage. C'est magnifique. To punish people, it is to deter them away from the issue of adultery. So if they knew such a punishment existed, they would run away from it. Voilà, c'est exactement l'argument des gens qui sont pour la peine de mort en disant c'est dissuasif. Et on s'aperçoit que dans les États, par exemple aux États-Unis, où on applique la peine de mort, eh ben, il n'y a pas une baisse drastique et nette. Merci, qui est-ce qui Echo 3644 qui offre un abonnement. Merci beaucoup. On ne constate pas une chute drastique des crimes de sang, en fait, dans les États où il y a la peine de mort. C'est même plutôt le contraire. C'est pas du tout dissuasif, ça marche absolument pas. Another thing you mentioned. Donc, c'est très curieux parce que vous sentez que la personne est bonne foi et qu'elle veut le bien. Merci Maga. Merci beaucoup. Et que ce qu'elle dit a l'air d'être sensible. Mais quand vous regardez vraiment ce qu'elle dit, elle est quand même en train de vous dire que c'est pour des raisons pédagogiques que Mohamed a autorisé la lapidation des femmes. Alors c'est vrai aussi, donc ça c'est ce que la vidéo rappelait, c'est que dans l'islam c'est très compliqué d'accuser quelqu'un d'adultère, ce qu'il faut quatre témoignages qui concordent. Donc on pourrait se dire, bah le but c'est de faire peur, pour éviter qu'il y ait des adultères, mais c'est pas de lapider. Sauf que... Sauf que dans les faits, le recours aux quatre témoignages, il s'en passe assez souvent, quoi. Mohamed a lapidé, et pas qu'une fois, il a lapidé plusieurs fois des femmes. Donc je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est uniquement pour faire peur. Pour rappel et comparaison, on amène à Jésus une femme adultère, Jésus regarde tout le monde et leur... Là, pour le coup, la comparaison est assez violente. Là, pour le coup, la comparaison est assez violente et pour une fois, clairement à l'avantage du christianisme. On dit, bah écoutez, très bien, celui qui a jamais péché, qui jette la première pierre. Fin de l'histoire. Eh oui, mais l'avantage d'être Mahomet, c'est de dire, mais je suis parfait, je suis l'envoyé de Dieu, donc je peux lapider. Donc si Mahomet avait été en face de Jésus, il aurait dit, mais moi je suis exempt de tout péché, et donc il aurait lancé la première pierre. Voilà. Lapidation est interdite. Là, vous n'avez pas tout ce long détour. Non! Oh là! Gros mensonge! Pas du tout! Ah, mais non! Alors là, Paul Adrien, il ment comme un arracheur de dents. Le fait que Jésus se démerde pour ne pas être coincé par les prêtres qui auraient pu l'accuser ensuite de ne pas vouloir appliquer la loi, c'est complètement différent de dire que la lapidation est interdite. Ça n'a rien à voir. Jésus n'est pas en train de dire que la loi juive doit être abandonnée, mais que ceux qui l'appliquent doivent être exemplaires, ce qu'ils ne sont pas. C'est complètement différent de dire la loi est mauvaise. C'est pas du tout une interdiction de la lapidation. On amène à Jésus une femme adultère, Jésus regarde tout le monde et leur dit, bah écoutez, très bien, celui qui a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Fin de l'histoire. La lapidation est interdite. Non, ça ne veut pas dire que la lapidation est interdite. Là, mon cher Paul Adrien, tu mens. Et d'ailleurs, c'est même confirmé puisque Jésus, plus tard, dit qu'il est venu accomplir la volonté du Père et qu'il n'est pas du tout là pour stopper la loi juive, mais pour l'accomplir. Donc, gros mensonge. Une fois de plus. Là, vous n'avez pas tout ce long détour. Bien sûr, des choses importantes, c'est le but des religions que d'apporter des réponses claires et Claire. définitives. Ouais. Et sur l'esclavage? Tu veux qu'on parle de l'esclavage dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a rien qui interdise l'esclavage. Au contraire. Il y a des écrits de Paul et des paroles de Jésus qui disent « Respectez vos maîtres, esclaves, acceptez les décisions de vos maîtres, ne vous enfuyez pas, etc. etc. » Donc c'est le contraire. Il y a une confirmation du fait que l'esclavage est quelque chose de normal. Voilà.
mais pas du tout interdit. Ok, on passe maintenant à la quatrième zone d'ombre de Mohamed, la guerre sainte, le djihad. Another thing you mentioned, djihad. Parce que c'est vrai que les chrétiens n'ont jamais fait la guerre sainte. Hein ? Jamais. Ça n'existe pas. And as much as you say that the Bible doesn't have verses on jihad, after church today, pull out your Bible and look up Psalm 137. And you'll see that our own text has passages that can make us uncomfortable. Nouveau sujet, le djihad, la guerre sainte. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est question de guerre sainte, et pas qu'une fois. Dieu dit, allez-y, guerre sainte. Bon. Mais encore une fois, on n'a jamais dit que l'Ancien était le sommet de la révélation. Sont belles ces images, hein. Sont chouettes. Il va falloir que je fasse un petit peu la même chose. Je vais solliciter des spécialistes de l'IA pour me faire des images de ce genre-là. C'est assez chouette, hein. Je suis chrétien, je suis pas juif. Donc le sommet, c'est Jésus. Et encore une fois, avec Jésus, bah, c'est ça ce qui est bien. C'est pour ça que je suis chrétien d'ailleurs. Parce qu'en une phrase, c'est réglé. Et voilà. Celui qui prend l'épée, par l'épée périra. Il se fait. Et quand Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la dissension dans les familles. Toujours cette manière de toujours présenter qu'une seule... Putain, il a presque 300 000 abonnés, ce con, maintenant. C'est terrifiant. Ouais. C'est toujours aussi malhonnête, en fait. Arrêtez. Pierre dégaine son glaive. Jésus lui dit, t'as rien compris, rengaine ton glaive. Et... Ah, très intéressant, ça. Parce que quand on regarde les quatre évangiles, il y en a deux, il y en a même trois, si je ne me trompe pas. Merci, coucou. Où le serviteur des mecs qui viennent... Il y a un serviteur, alors attendez, je ne sais plus exactement, mais une seule fois, Pierre est nommé, et dans les autres, effectivement, il dégaine son épée et il l'essorille, il coupe l'oreille du serviteur qui fait partie de la troupe qui vient arrêter Jésus. Il y a au moins deux évangiles dans lesquels le serviteur est blessé par un coup d'épée. Voilà, nouveau mensonge. C'est la fin de l'histoire. Point à la ligne. Bon, continuons la réflexion avec un nouvel extrait. Ah, très intéressant. Très intéressant. Regardez l'image. Celui qui prend l'épée, par l'épée périra. Il se fait arrêter. Pierre dégaine son glaive. Jésus lui dit, t'as rien compris, rengaine ton glaive. Et c'est la fin de l'histoire. Regardez le glaive. Point à la ligne. Bon, continuons. Il est taché de sang. Le glaive est taché de sang. Donc c'est magnifique pour nous expliquer qu'il n'y a pas eu de violence et que Jésus était contre le fait d'utiliser la violence et qu'il a dit à Pierre de rengainer son épée. Il l'a fait trop tard puisque... Et c'est la fin de l'histoire. Pour illustrer le fait qu'il ne se serve pas de son épée, il montre un extrait de film qui montre que l'épée a été utilisée. C'est magnifique. Point à la ligne. Bon, continuons la réflexion avec un nouvel extrait. The companions of Muhammad were tortured severely. Sumayya, a female companion of Muhammad, peace be upon him, had a spear driven through her private part simply because she believed in Allah, believed in the one God, Bilal. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous fait plonger dans ce que c'est que la guerre juste, et il y a toujours... Le martyr, plutôt. Très intéressant à dire. Donc... C'est vrai que les musulmans ont été persécutés, très fortement persécutés, pendant 12 ans à la Mecque, au point de devoir s'enfuir à Médine. Donc la théorie... Sauf que, à l'époque, la Mecque n'existait pas. Du strict point de vue de l'archéologie, la Mecque est apparue après l'époque supposée de l'existence de Mahomet. Donc, comment dire... théorie de la guerre juste s'applique. Maintenant, la guerre juste, c'est pas un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc, par exemple, une des conditions, c'est il faut que ce soit des guerres défensives. Donc est-ce que toutes les 82 batailles menées par Mohamed ont été des guerres défensives? La réponse là, non. Non. Clairement, ça c'est parfaitement juste. Et les textes sont interprétables d'une telle manière que le simple fait de ne pas être un fidèle peut être considéré comme une agression, donc une attaque. Voilà.
Et donc, voilà, à partir du moment où tu refuses d'être musulman, les textes laissent la possibilité d'interpréter les textes comme le fait de ne pas être musulman est une agression envers l'islam. Voilà, c'est très beau. Alors bon, je veux bien croire que sur le moment, c'est difficile de savoir est-ce que c'est exactement de la défense, de l'attaque, etc., etc. Deuxièmement, non, c'est assez simple, que la guerre s'arrête. Attaquer des caravanes à 50 contre 1, c'est pas une guerre de défense. Dès que vous n'êtes plus en danger. Donc, est-ce que le djihad s'est arrêté dès que les musulmans n'étaient pas en danger? Et là, quand même... Et non, parce qu'à ce moment-là, il va falloir nous expliquer comment ils sont arrivés à Poitiers. Comment ils ont envahi le Maghreb. Est-ce que c'était une guerre de défense d'envahir le Maghreb? Est-ce que c'était une guerre de défense d'envahir tout le haut de la péninsule arabique? Est-ce que c'était une guerre de défense d'envahir l'Inde? Est-ce que c'était une guerre de défense d'envahir l'Espagne? Est-ce que c'était une guerre de défense de remonter jusqu'à Poitiers? Un peu tendu comme théorie. La manière dont la guerre contre les Mécois ensuite s'est étendue au reste de la péninsule arabique et comment est-ce que Mahomet, déjà de son vivant, était en guerre avec les autres tribus, etc. Non, c'était pas une guerre défensive uniquement contre les Mécois. Il y avait autre chose aussi en jeu. Il y avait un projet politique d'unification des tribus arabes sur toute la péninsule arabique. Hein. Et puis, trois, il faut que les dommages que vous causez soient proportionnels et légitimes. Et là, ça pose des questions. Parce que quand on voit le massacre qui a été fait des tribus juives, je pense à une tribu, la tribu juive des Banu Qurayza. Merci. Donc il s'était rendu et Mohamed a fait. Il a fait décapiter tous les hommes, y compris les garçons qui commençaient à avoir du poil aux cocodiètes. Donc des enfants de 12-13 ans, quoi. 10, 12, 13 ans. La classe. Décapité les 600 personnes. Il a creusé une fosse et à partir de l'âge de 14 ans, 13 ans pour les garçons, à la fosse. Quatrièmement aussi, il y a ce que vous appelez le jus in bello. Ça veut dire qu'au moment de la guerre, même en politique intérieure, vous n'êtes pas censé faire n'importe quoi et que la guerre ne vous donne pas le droit de transformer votre pays en dictature militaire. Et quand on regarde la manière dont Mohamed a gouverné Médine, il a peut-être été persécuté à la Mecque, mais... Il n'a pas été d'une grande clarté sur sa tolérance et son ouverture aux critiques quand il était à Médine. Donc là, vous avez toute une liste, notamment de poètes qu'il a fait tuer parce qu'il ne supportait pas leurs critiques. Donc là... Non, c'est pas qu'ils ne supportaient pas leurs critiques. C'est juste qu'ils ont été capables de relever le défi qui est dans la sourate numéro 2, qui est de, si vous êtes capable de produire une sourate équivalente... Si vous êtes vrai, si vous êtes juste, produisez une sourate équivalente. Et donc voilà quoi. C'est surtout pour ça qu'ils se sont fait déglinguer. C'est parce qu'ils ont prouvé qu'on pouvait tout à fait imiter le style du Coran. Sans grand effort, la poétique du Coran, sans grand effort, et que donc c'était la preuve que le défi était relevé, etc. Et donc il les a fait flinguer, surtout à cause de ça. Là, vous voyez, c'est très intéressant la question de la guerre juste, parce que ça permet vraiment d'aller dans le détail des choses. Et ce que ça veut dire, c'est que Mohamed était un conquérant, un chef de guerre, en même temps qu'il défendait et qu'il aimait son pays. Bon. Il y en a eu plein dans l'histoire et voilà quoi. Son pays, mais il n'y avait pas de pays à l'époque. C'est un territoire rempli de nomades. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de culture. Alexandre, Jules César. Et alors pour le coup, entre Jules César et Mohamed, probablement que je choisis Mohamed. Donc ça, je peux tout à fait comprendre. What? Pardon? Wow! Va dire ça aux Indiens. Va dire ça aux Indiens. L'inculture de ce garçon est absolument effarante. Prendre. La difficulté qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il y a besoin de justifier ces actes de guerre comme Mohamed l'a fait en ayant révélation sur révélation au nom de Dieu. Ça pose des questions quand même sur la manière dont vous utilisez Dieu à des fins d'expansion militaire. Je ne te le fais pas dire, coquinou.
Parle-nous un petit peu de la conquête de l'Amérique du Sud. Mais pas d'une clarté excessive. Non. Donc, en fait, je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai maintenant les idées un peu plus claires sur ce que je pense en fait de Mohamed. C'est-à-dire qu'une fois que vous enlevez le fait qu'il se soit réclamé d'une prophétie divine, c'est un grand homme qui a unifié la paix. C'est un grand homme, ouais, bien sûr. Donc en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est ouais, je montre que je suis supérieur, mais surtout, surtout, soyons clairs, hein, je critique pas l'islam, hein. Oh la vache. Péninsule arabique avec certainement une grandeur de caractère extraordinaire. Le mec est incapable de dire ça en regardant la caméra en face. C'est très intéressant son attitude physique. Mais il y a des faux pas. Il y a des faux pas qui sont probablement indignes d'un homme de Dieu, ce qui fait que moi, c'est pour ça que je ne le considère pas comme un prophète. Mais c'est peut-être ça juste, en fait, ce qu'il faudrait dire. Moi, ce que je souhaite un jour, c'est que on fasse un film historique sur Mohamed. J'ai bien compris. Ça a déjà été fait. Ça s'est mal passé. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. que pour les musulmans, on n'avait pas le droit de représenter Mohamed. Mais moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas tenu à cet interdit-là, d'autant plus que... Eh oui, mais sauf que le verset qui dit vous dites l'acceptable et vous dénoncez le blâmable, vous imposez le juste et le truc le blablabla, je ne sais plus exactement quelle est la formulation, fait que ben ça autorise les musulmans à imposer à tous voilà, le fait de ne pas représenter Mahomet ou les visages humains ou des choses comme ça, ou voilà. Je le fais pas dans une volonté de manque de respect, etc. Mais simplement, c'est une personne qui a tellement d'influence que c'est normal qu'on essaye d'avoir un regard lucide sur sa vie, son œuvre. Et c'est pas facile. Ouais, effectivement, arriver à avoir un regard lucide, avoir un regard lucide, enfin, oser dire que c'est un grand homme en ayant un regard lucide sur Mahomet, effectivement. La mission est périlleuse. D'avoir un regard lucide qui soit pas dans la naïveté et l'admiration sans borne, ou qui soit dans la haine et l'aspect frontal. Donc juste... Non, c'est pas du tout haïssable. Il faut comprendre les nazis. Ce sont des humains après tout. Ils ont juste des failles. C'est énorme. J'y suis arrivé, si je ne suis pas arrivé, écoutez, je vous présente mes excuses et vous me le direz dans les vidéos, dans les commentaires. Et puis en attendant, et bien écoutez. Comme Jésus disait, l'amour vaincra. Voilà, donc voyons un petit peu ce que Jésus musulman va répondre à Paul Adrien. Je vous demande une toute petite seconde, il faut vraiment que je prenne une petite pause. Vraiment, je reviens, mais très très vite.
Allez, on y va. J'ai maintenant les idées un peu plus claires sur ce que je pense en fait de Mohamed, c'est-à-dire qu'une fois que vous enlevez le fait qu'il se soit réclamé d'une prophétie divine, c'est un grand homme qui a unifié la péninsule arabique avec, avec certainement une grandeur de caractère extraordinaire, mais il y a des faux pas. Faut pas dire ça, t'y étais presque, Paul-Adrien. Il y a des faux pas qui sont probablement indignes d'un homme de Dieu, ce qui fait que moi c'est pour ça que je le considère pas. Pas qui sont probablement indignes d'un homme de Dieu, ce qui... ah. Faut pas dire ça. Qu'a dirait-il ? Aïcha, la polygamie, la lapidation, la guerre sainte. Ah, t'y étais presque, Paul-Adrien. Il y a des faux pas qui sont probablement indignes d'un homme de Dieu, ce qui fait que moi, c'est pour ça que je le considère pas comme un prophète. Salam alaikum, j'espère que Gouchi la base. Dans cette vidéo, grâce à Allah le Tout-Puissant, nous allons réfuter Paul-Adrien. Il est à remarquer que Paul-Adrien reconnaît déjà que le prophète, alayhi salatu salam, était quelqu'un d'extraordinaire. Cependant, il aurait fait des faux pas. Et c'est pour ça qu'il ne croit pas en lui en tant que prophète. Cependant, nous allons voir que, selon sa même logique à lui, il ne peut pas croire au prophète de la Bible et encore moins en Jésus. Alayhim as-salat wa salam. Tout d'abord, nous avons la première partie où Paul-Adrien est parti chercher un petit peu, malheureusement, sur Internet, plusieurs désinformations au sujet du prophète, alayhi salatu wa salam. Prenons le premier cas cité par... Parce que c'est connu, Jésus musulman ne va jamais chercher ses informations sur Internet. Paul Adrien, le mariage avec notre mère Aïcha radiallahu anha. Et ça, c'est une ambiguïté qui est très souvent citée aujourd'hui. C'est même l'ambiguïté la plus citée à notre époque. Eh oui, parce que le mariage avec une petite fille, c'est le truc qui nous choque le plus. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas choquants. Hein. Et bizarrement, cette ambiguïté n'existait pas à l'époque. Alors, faut vous poser la question. Pourquoi vous sortez toujours du contexte historique, puisqu'on nous parle de vérité historique? Eh bien, le mariage de Aïcha, radiallahu anha, c'était un mariage à l'époque, avec les coutumes de l'époque, avec le temps de l'époque, et avec la géographie de l'époque. Ça n'a aucun rapport. Épouser une fille de 6 ans, ça reste une saloperie. Puisque c'est une vérité historique, ça reste une saloperie à l'époque et ça reste une saloperie de nos jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si Dieu n'a pas été capable d'envisager que nous allions considérer que c'était une saloperie à notre époque, eh ben, il manque d'omniscience et d'anticipation. À l'époque, les gens se mariaient beaucoup plus tôt et encore plus dans la péninsule arabique. C'est faux. D'autant plus que l'espérance de vie au Moyen-Âge, par exemple, elle était deux fois inférieure à l'espérance qu'on a aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une idée complètement fausse. Alors oui, en moyenne, l'espérance de vie était deux fois moins. Donc on était à peu près sur du 35-40 ans. Hein, grosso merdo pour à peu près tout le monde. Mais en fait, c'est une moyenne qui tient compte de tous les enfants qui mouraient en bas âge, et de toutes les femmes qui mouraient en couche. Et ça c'était... Alors, pour les enfants, c'était presque 1 sur 2. Hein, voilà. Et pour les femmes, c'était en moyenne, au bout de 3 à 4 accouchements, il commençait à y avoir de gros risques. Mais il y en avait qui mouraient au premier accouchement, et puis il y en a d'autres qui pouvaient pondre 10 gamins sans aucun problème. C'est des moyennes. Il y avait des tas de gens, quand ils avaient passé le cap des maladies infantiles, etc., quand on mourait très jeune. À l'époque, beaucoup de gens mouraient très jeunes, beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. Mais quand tu avais passé la dizaine, douzaine, et que tu arrivais justement à peu près à ces âges-là, tu pouvais assez régulièrement arriver à des âges, alors pas canoniques, mais tout à fait respectables de 60, 70 ans. C'était assez commun. Il y avait très peu de gens qui y arrivait, parce que de toute façon, il y avait très peu de gens qui survivaient à la période de l'enfance. Voilà. Sans compter les guerres, les maladies, les épidémies, les choses comme ça, etc. Mais en dehors de ces accidents, matériellement, si tu arrivais à survivre jusqu'à l'âge préadulte, jeune adulte, et que tu ne prenais pas une guerre ou un truc comme ça, tu pouvais très bien vivre jusqu'à 50, 60 ans, largement. Donc, l'argument « Ouais, mais quand on mourait à 35 ans, c'était normal qu'on se marie à 10 », ne tient pas. Tu n'es toujours pas prêt physiquement, à 9 ans, à avoir des rapports sexuels et à tomber enceinte. Et si ça t'arrive, tu as toutes les chances. Tu vois, si tu es une petite fille et tu tombes enceinte à peu près à une dizaine, douzaine d'années, tu as beaucoup plus de chances de mourir en couche que si tu es une femme d'une vingtaine d'années.
Enfin, je veux dire, statistiquement, c'est assez simple. Si on a moins de morts avec des cas à notre époque, s'il y a des filles de 12, 13 ans, 10, 12, 13 ans qui survivent à leur grossesse, c'est parce qu'il y a les progrès de la médecine. Et c'est uniquement pour ça. Voilà. Donc, argument tout pourrave, mais comme d'habitude. Hein. Et le mariage de Aïcha, il avait été validé par ses parents, par sa tribu et même par les ennemis du prophète. Comme si on allait demander son avis aux ennemis. Et quand on sait ce qui se passe dans les pays musulmans comme l'Afghanistan ou des choses comme ça, où les parents vendent leurs filles à des vieux barbons, les donnent en mariage contre du pognon, le fait que les parents aient accepté le mariage, honnêtement, honnêtement, face à Mahomet, qui est un dictateur sanguinaire, est-ce que tu vois des parents dire non, on te donne pas notre fille? Les mecs se font déglinguer et après il l'apprend. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc bon. C'est donc un fait historique qui doit être replacé dans son contexte historique. Pour plus d'informations sur le mariage de Aïcha ou sur la prétendue pédophilie dans le Coran, il y a déjà deux vidéos que j'avais déjà faites il y a un moment. On passe au deuxième point, la polygamie du prophète. Oui, donc en fait, il prouve rien et il ment comme un arracheur de dents. Lorsqu'on étudie un petit peu la biographie du prophète, eh bien, on remarque que de 0 à 50 ans, il n'avait qu'une seule femme, Khadija, c'est-à-dire de 25. Et pour cause, parce qu'il avait besoin de son pognon, il était plus jeune qu'elle. Et comme c'était elle qui tenait les cordons de la bourse et c'est elle qui l'a éduqué, évidemment, il n'allait pas chercher ailleurs parce qu'il n'avait pas envie de redevenir un pouilleux. À 50 ans. Ensuite, il a passé une petite période où il était seul, pas marié. Puis, ce n'est qu'à la fin de sa vie, lors de ces 10 dernières années, que le prophète a multiplié les mariages. Et donc ça excuse tout. Et donc ça ne pose aucun problème. C'est quand il était un chef de guerre redouté, machin, etc., qu'il a pu zigouni-piloupiler à tort et à travers. Voilà, c'est formidable. Donc on n'est absolument pas dans le cas d'une personne qui court derrière les mariages, puisque avant 50 ans, il n'avait qu'une seule femme. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a multiplié les mariages. Oui, parce qu'il était enfin libre. Voilà, parce que sa femme était morte. Alors, si on analyse les mariages du prophète lors de ces 10 dernières années, eh bien, il s'est marié 10 fois. 10 fois, les 10 dernières années de sa vie. Ses femmes, elles étaient toutes soit veuves, soit... Ah donc, les filles de chefs de tribus ennemies n'étaient pas vierges? Comme... Elle n'était pas vierge, peut-être parce qu'elle s'était fait violer par ses guerriers avant. Divorcée, à part Aïcha, radhiyallahu anha. Donc on n'est clairement pas dans le cas d'une personne qui cherche à avoir un harem, puisque toutes ces femmes en dehors de Aïcha, elles étaient soit divorcées, soit veuves. On a par exemple trois de ces femmes. Alors là, il parle des 10 mariages, mais il parle pas de toutes les esclaves sexuelles, hein, évidemment, des prisonnières de guerre. Qui étaient auparavant les femmes de certains compagnons qui ont été tués à la bataille de Uhud. Et à l'époque, lorsqu'une femme perd son mari, eh bien, il n'y avait pas la CAF, il n'y avait pas la sécurité sociale. Elle avait besoin d'un homme qui la prenne en charge. Et en général, elle épousait le frère de son défunt mari, en priorité. Donc, le prophète a joué ce rôle d'aider ce type de femme-là, puisque c'était ses compagnons à lui. Quelle générosité! Il a fait preuve d'une générosité, d'une miséricorde. Oh là là, vraiment! Pouf. Oh, il était vraiment gentil quand même. Il n'était pas obligé hein, de les prendre. Qui ont été tués à Uhud pour le protéger et pour protéger les musulmans. Parfois aussi certaines de ces femmes. Et pour protéger les musulmans. En quoi ça protège les musulmans? Ça n'a aucun rapport. Elles étaient les filles d'anciens chefs de tribus, des gens qui avaient de l'importance. Et le prophète, pour préserver l'honneur de ces filles-là, il leur a proposé un mariage et elles ont accepté. Parfois aussi, il y a... Et donc, en quoi ça prouve qu'elles n'étaient pas vierges? Ça n'a aucun rapport. Il y avait certains mariages qui avaient pour but de corriger certaines mauvaises coutumes ou de renforcer des alliances avec d'autres peuples. Quelle mauvaise coutume! Et quand tu fais une alliance avec d'autres peuples,
Bah justement, enfin, l'intérêt, c'est justement la virginité. C'est ça qui fait la valeur du truc, en fait. C'est la virginité de la femme que tu donnes. C'est Comme phénoménal. ça pouvait exister avec plusieurs rois. Donc on voit que le prophète, alayhissalatu wassalam, lorsqu'il a multiplié les mariages lors de la fin de sa vie, eh bien c'était pour plusieurs sagesses. Mais oui, c'était par gentillesse. Se retrouver avec un harem, c'était vraiment uniquement par gentillesse et par bonté d'âme. C'est pas du tout pour pouvoir niquer tout ce qu'il voulait. Et dans tous les cas, le prophète, alayhissalatu wassalam, a proposé à ses femmes une séparation. Il leur a proposé, comme le dit sourate 33, verset 28, qu'elles pouvaient être libres si elles... Si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous demanderai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un dirvos sans précision. Je vous demanderai les moyens d'en jouir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous demanderai d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. J'avoue, je ne comprends pas. Elles le voulaient, mais ce sont elles qui ont refusé et elles ont souhaité rester avec le prophète, alayhissalatu wassalam. Prenons Ça, c'est ce qui est raconté, hein. maintenant le cas de la Bible, la polygamie de David agréée par Jésus, point d'interrogation. On voit tout d'abord dans 2 Samuel chapitre 5 que l'Éternel Dieu permet à David de prendre plusieurs femmes et concubines. On voit tout d'abord que l'Éternel, il est avec David, l'Éternel raffermit. Oui, enfin, la question c'était que c'est pas parce que les autres le faisaient 1000 ans auparavant, 1500 ans auparavant, que ça excuse l'attitude. Là, on est sur le sophisme de oui, mais les autres ils faisaient pareil 1500 ans avant. Ça n'excuse rien en fait. C'était pourri dans la Bible et puis c'est pourri dans le Coran. C'est pareil. Fermi David, et juste après on nous dit, David prit encore des concubines et des femmes. Oui, et Salomon aussi. Et on voit toujours dans 2 Samuel chapitre 12 que l'Éternel Dieu dit, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et par la suite, l'Éternel, il va le blâmer concernant la femme d'Uri. Ce qui est important à retenir ici, c'est que David avait beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, et pourtant, la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 15 verset 5, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements Oui, on t'a pendant compris. toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri. Donc, lorsque David a pris plein de femmes et plein de concubines, eh bien, il ne s'était détourné à aucun moment de la loi de l'Éternel. Et l'Éternel, je rappelle que c'est Jésus selon Paul Adrien. Donc, vous pouvez remplacer. Ah, non, 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 non. Là, la malhonnêteté, c'est on est en train de parler, on est en train de parler. Alors oui. D'une certaine manière, il a raison, puisque Jésus est censé être Dieu, donc est censé être le même Dieu que celui qui a autorisé tout ça. C'est là que les chrétiens, ils sont mal. Parce qu'effectivement, soit Jésus n'est qu'un prophète, et il n'est pas le même Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament, soit il l'est, et à ce moment-là, bah, c'est aussi lui qui... voilà. C'est compliqué. La Trinité d'Estiendorf, c'est compliqué. David avait fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, notamment en prenant beaucoup de femmes Oui, et on a beaucoup de compris, on a concubines. compris, on a Il ne compris. s'était détourné d'aucun des commandements. Bible, lui, d'ici, c'est une erreur. C'est Dieu qui va sauver Jérusalem à cause de David. Lorsque Salomon il a péché, eh bien l'Éternel il va lui dire qu'il ne va pas détruire complètement son royaume. Pourquoi? À cause de l'obéissance de David. Donc lorsque David il a pris beaucoup de femmes et de concubines, eh bien il était quand même en parfaite obéissance avec la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de Jésus selon Paul Adrien. Donc si Paul Adrien cherche des faux pas dans le comportement du prophète, alayhissalatu wassalam, eh bien là, il a de quoi largement se servir. On passe à la lapidation. Alors c'est très dommage que Paul Adrien recopie les mêmes ambiguïtés. Alors oui, c'est le même. C'est toujours l'argument de ben, les autres le faisaient, donc vous n'avez pas le droit de juger. Voilà, bon, c'est toujours là. Et toujours cet usage du mot ambiguïté. Hein, vous faites pas avoir si vous croisez des gens sur le Discord qui vous parlent d'ambiguïté, alors qu'en fait c'est des contradictions ou des saloperies. Vous avez affaire à des apologistes. Hein. Voilà, c'est pas des ambiguïtés.
authenticité qu'on va trouver sur Internet. Alors que lorsqu'on regarde dans les sources islamiques, il y a un homme qui va vers le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est cet homme-là qui demande au prophète l'application de la peine, de la lapidation, puisqu'il a commis l'adultère. Et le prophète, il le renvoie. Alors l'homme insiste, le prophète le renvoie, il insiste une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Même chose pour une femme qui va vers le prophète, alayhi salatu wassalam. La question est, est-ce qu'il a fini par lapider des gens ou pas? Il a refusé des lapidations, certes, mais c'est pas parce qu'il a refusé des lapidations qu'il n'a pas appliqué la lapidation et que la lapidation n'était pas acceptée. C'est elle qui demande l'application de la peine. Il y a déjà une vidéo qui réfute complètement les mêmes arguments cités par Paul Adrien. Votre prophète veut lapider, et puis chez nous dans la Bible, Jésus a refusé. Quatrièmement, la guerre sainte est là. Paul Adrien, il va nous citer encore une fois des arguments qui ont été déjà vus et revus. Par exemple, les Banu Qurayza ou le cas de certains poètes qui critiquaient l'islam. Donc en vrai, les points cités par Paul Adrien, c'est des trucs qui ont déjà été réfutés. C'est du Donc en fait, il se fait même pas chier à dire je vais vous montrer pourquoi ça a été réfuté. Ils disent ça a été réfuté, passons à autre chose. Typique du mec qui a pas d'argument en fait. Voilà, on va regarder ailleurs. Voilà, c'est pas le problème. Échauffé, ça date d'il y a longtemps. Et lorsqu'il dit que... Et c'est le cas pour Aïcha, pour la polygamie et la lapidation. Ça a déjà été répondu, ça aussi c'est du réchauffé. Donc s'il évite absolument le truc de la guerre 5, c'est qu'il est encore plus gêné que sur les autres points, c'est dire. Le prophète, alayhi sallam, a fait des faux pas. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que selon la Bible, c'est pas faux ce qu'a fait le prophète. C'est ça qu'il voulait dire, oui. On passe maintenant à la deuxième partie, 4 vérités. Oh, la manipulation des mots, la manipulation. Il n'a pas fait un faux pas, il a fait comment il dit ça? Ce qu'il a fait n'était pas faux. Dire, c'est que selon la Bible, c'est pas faux ce qu'a fait le prophète. C'est ça qu'il voulait dire, oui. On passe maintenant à la deuxième partie, 4 vérités historiques qui dérangent, mais cette fois-ci concernant Jésus selon la croyance de Paul Adrien. Donc là... En fait, il ne répond pas, clairement, il ne répond à aucune des affirmations et il n'accepte pas aucune de ces vérités historiques qui sont soutenues par la Sunna, hein, très clairement. Donc c'est toujours le même procédé, c'est non, c'est pas vrai. Et puis, c'est pas vrai parce que vous faisiez pareil. Et plutôt que de répondre au truc, il va dire... Et vous, nananer, miroir, miroir, c'est celui qui dit qui est. Voilà, ça c'est le niveau d'argumentation de Jésus musulman. Premièrement, Jésus, les femmes et les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est 1 Samuel chapitre 15. On voit ici qu'il est indiqué, « Ainsi parle l'Éternel des armées, tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Qui c'est qui a ordonné ça? C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées... Donc... Toujours cette confusion, c'est-à-dire qu'il part du principe que comme Jésus est le fils de Dieu et est Dieu lui-même, alors c'est exactement la même émanation que le Dieu de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que c'est une des grandes fragilités de la chrétienté de ce point de vue-là. C'est très facile pour Jésus musulman de prendre le Dieu de l'Ancien Testament qui est vraiment manifestement un sale connard. Je pense qu'un certain nombre de mes vidéos le démontrent largement. Et ensuite, d'argumenter de, bah oui, donc, comme Dieu c'est Jésus et Jésus est Dieu, donc Jésus est responsable de ça. C'est de bonne guerre, oserais-je dire. C'est Jésus selon... Même si le procédé est complètement sophistique et totalement malhonnête intellectuellement. Hein. Paul Adrien est selon tous ceux qui pensent que Jésus, c'est Dieu. Donc vous pouvez corriger et remplacer ici. Ainsi parle Jésus, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Et ça, c'est historique, on ne peut pas y échapper. Oui, mais attends, c'était avant. Ouais, maintenant, c'est avant. Quand on parle du mariage de Aïcha, les coutumes à l'ancienne et tout, non, c'est faux. Et maintenant, oui, non, c'était avant. Des nourrissons, hein. Regardez, hein. L'Éternel des armées, donc Jésus, selon ceux qui pensent que Jésus, c'est Dieu, il a ordonné, à un moment donné, même si c'était à 2000 ans, 3000 ans, il a quand même ordonné de tuer. Bon, on a compris le procédé, hein, il va faire ça sur 3 ou 4 exemples différents. Hein, des enfants et des nourrissons. Et ça, c'est... Livre des nombres, 3 fois, 4 fois. Alors, c'est dans le chapitre 31 du livre des nombres. Voilà, l'Éternel parla à Israël. Même principe, alors, avec les Madianites, les Massitres, les Garcis. Vous pouvez tuer lapidation. Mais Jean 8, c'est un passage qui n'est pas vraiment authentique à 100%. Et la lapidation, Jésus, c'est Dieu.
Et c'est historique. Et on n'y peut rien. Donc c'est un faux pas ou pas ? 3, Jésus et la lapidation. Alors ça n'a rien d'historique, hein, évidemment. C'est pas du tout historique puisque l'Ancien Testament, ça a été prouvé, n'a aucune base historique. Hein. Contrairement à ce que certains peuvent croire ou essayer de démontrer, comme par exemple Arsman, Alan Arsman, qui fait tout un tas de démonstrations en partant du principe que les textes de l'Ancien Testament sont une source historique fiable, ce que plus aucun historien sérieux ne soutient. Donc voilà, donc là il va continuer, toujours sur le même procédé. Hein. De ta femme. Alors oui, vous avez bien lu, Jésus et la lapidation de ta femme. Le mari doit jeter la première pierre. Ah bah oui, ça ressemble beaucoup à Jean 8. Alors, là, il fait référence non pas à l'épisode de... Alors, vous voyez bien, on est sur le Deutéronome 13.6. Le Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. D'accord ? Ça fait partie des lois qui sont données à Moïse. Rien à voir avec l'épisode de Jésus qui demande aux gens qui veulent lapider d'être exemplaires. Mais effectivement, c'est logique avec le fait que jamais Jésus n'a contesté la loi juive. Ça, c'est évidemment. Mais Jean 8, c'est un passage qui n'est pas vraiment authentique à 100%. Regardons un passage qui est, lui, authentique à aucun. Ah, c'est extraordinaire parce que alors, Jean 8, c'est-à-dire l'évangile selon saint Jean, est moins authentique qu'un texte qui a 1500, qui est plus vieux de 1500 ans. Vraiment authentique. Ils ont un vrai problème avec l'authenticité et l'historique. Hein. À 100%. Regardons un passage qui est, lui, authentique, à aucun doute. On prend la Torah, Deutéronome chapitre 13. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein. Donc autrement dit, ta femme à toi. Elle t'incite en disant « c'est n'importe quoi, Dieu, tout ça, j'ai envie de changer un petit peu de religion, elle s'égare et tout. » Eh bien, qu'est-ce qui est dit ? « Tu ne jetteras pas sur lui ou sur elle un regard de pitié, tu la feras mourir, ou le feras mourir, ça dépend c'est qui, ta main se lèvera la première sur lui. » J'adore son style français, ça dépend c'est qui. Pour le mettre à mort. Il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui, nous avons un passage assez... Parce que, voilà, on a que dans les évangiles, Jésus se comportait d'une manière différente en fonction des gens qu'il avait en face de lui. Avec les païens, ce n'était pas du tout comme avec les enfants d'Israël. Lorsqu'on prend Matthieu chapitre 15, on voit qu'il y a une femme. Bah oui, c'est un juif. Cananéenne, qui lui demande de l'aide puisque sa fille, elle est malade. Jésus, il ne lui répondit pas un mot. Les disciples, ils insistent, etc. et tout. Jésus, il fait comprendre que je ne suis pas venu pour toi. Et en particulier, il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, qui représentent les enfants d'Israël, et de le jeter aux petits chiens, qui représentent les païens. Donc la femme, elle est considérée, étant une païenne, comme un petit... Et il oublie un tout petit détail, c'est que finalement, quand même, il la guérit quand même. Mais bon, c'est pas grave. Petit chien. Mais la femme, elle accepte, elle dit, les petits chiens, ils mangent les miettes. Eh bien, à cause de ça, Jésus lui dit, ta foi est grande, et elle est guérie. Si on compare maintenant le comportement de Jésus avec les enfants d'Israël, on prend la suite du passage. Vous voyez, là, c'était le verset 28. Verset 29, Jésus, il arrive en Galilée, donc maintenant, c'est les enfants d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Jésus, il les guérit immédiatement. Il n'y a pas de... Vous devez reconnaître que vous êtes des petits chiens. Bon, on a compris. Quel sens qu'on vous donne. Si vous avez... Vous êtes comme ça, contexte. Il y a quelque chose... Cherchez-le. C'est dommage que tu répètes et demandez aux musulmans. Voilà pour la vidéo, Paul Adrien. Quelque chose que vous ne comprenez pas avec un comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il faut chercher le contexte, regarder les sagesses derrière et demander aux musulmans. Voilà. Et oui, mais il a demandé à des musulmans. C'est des musulmans qui lui ont dit ça. Pas pour la vidéo, Paul Adrien. Donc, c'est dommage que tu répètes un petit peu ce que beaucoup d'islamophobes vont citer sur Internet sans regarder le contexte. Ah, voilà, c'est ça. Citer ce qui est vrai. Voilà. Donc... voilà, c'est à partir du moment où tu critiques l'islam, c'est islamophobe. Et si t'es islamophobe, t'es raciste, donc c'est une attaque, donc ils ont le droit de se défendre, donc ils ont le droit de t'égorger. Voilà, c'est un peu le raisonnement. Contexte, là je t'ai montré que si je fais pareil que toi, ben on peut arriver à beaucoup de grands faux pas.
Absolument. Bien évidemment, pour nous, ni Jésus ni Mohammed alayhi salatu wa sallam ne font des faux pas. Ce sont des très grands prophètes agréés par Allah le Tout-Puissant. Mais il vient de démontrer que Jésus avait fait des faux pas. Et après, il dit non, il n'a pas fait de faux pas. Ce garçon a un problème de cohérence. Waouh! Bon, voilà. Bon, bah, je pense que je pense qu'on a fait le tour. Hein, je pense qu'on a fait le tour. J'ai vu passer un truc d'Ice Club qui dit une source historique qu'il faut savoir déchiffrer pour obtenir un récit cohérent historiquement. Mais Arsman, son déchiffrement sort de son cul. D'où c'est nul et non avenu. Nous sommes d'accord. Arkesh qui dit j'adore quand ils disent c'est authentique. C'est quoi les preuves? Parce que c'est écrit dans le bouquin, c'est authentique. Bon, voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout parce que comme ce qui est écrit dans le Coran dit que c'est authentique dans l'Ancien Testament, alors forcément l'Ancien Testament est authentique. Bah oui, puisque le Coran dit que c'est authentique. Voilà. Barnac qui dit c'est normal que maintenant j'ai mal à la tête. Oui, c'est normal. Bon, eh bien, voilà, nous sommes arrivés au bout, il est 21h12, il n'est pas trop tard, c'est bien. Sur ce, je pense que, enfin, je vous laisse deux petites minutes, vous avez des questions? Alors, pardon, à Christophe Lévesque, est-ce que vous avez des questions? On vous oublie pas, hein, gros cul, vous avez le droit au point d'exclamation, au point d'interrogation multiple, vous avez le droit d'écrire en majuscule, je ne le prendrai pas mal pour m'attirer l'œil. Voilà, on vous écoute. Vous avez deux petites minutes pour me poser des questions. Aislab qui dit, on n'a pas été déçus de l'un comme de l'autre, toujours aussi mauvais et menteur, ces apologètes. Exactement, voilà. Question, apéro, non, apéro, non, j'ai déjà bu mon petit mélange, là je vais me faire la popote. Quand vas-tu t'attaquer au Nouveau Testament? Quand je serai arrivé au bout de l'Ancien. Enfin, en tout cas, je pensais attendre d'arriver au bout de l'Ancien, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses dans le Nouveau Testament qui dépendent du fait de connaître les histoires de l'Ancien. Pardon, excusez-moi. Il y a tellement de choses qui sont dites dans le Nouveau Testament et qui sont justifiées par dans le Nouveau Testament qui sont justifiées par l'Ancien que si on ne connaît pas, si je vous ai pas parlé de ce qu'il y a dans l'Ancien, c'est compliqué de revenir en arrière et de faire des trucs. Ah oui, alors dans l'Ancien, souvenez-vous, machin. Etc. Ça, je peux. Souvenez-vous, c'est plus facile à faire si je vous ai déjà raconté le machin. Si j'ai pas fait un balayage général du tableau, quand on va arriver sur le Nouveau Testament, il y a des références que je vais faire. Hein, que je vais partir du principe que vous les avez parce qu'on a fait les audios dans le texte sur l'Ancien Testament. Donc. Voilà, je vais y arriver. Alors, il est évident qu'il y a des parties de l'Ancien Testament sur lesquelles je vais passer, mais très vite. Par exemple, tout ce qui est effectivement des lois, etc., etc. Je vais toutes les lire moi et je vais retenir les plus stupides, hein, pour se parler un peu, voilà, de dire quelles sont les lois qu'on doit faire. La façon dont doit être construit le temple ou le mausolée ou comment faut écrire les rouleaux de Torah ou etc. Honnêtement, on s'en tape un peu. Je ne retiendrai que les trucs les plus marquants, les plus immoraux, les plus choquants, les plus ridicules. Donc sur les 613 lois, je ne vais pas vous faire un listing des 613 lois de la même manière que quand ils nous font des listings de tous les descendants, etc. Voilà. L'info. Jonathan Ben David disait à quand une critique du charaïsme? Je ne sais pas ce que c'est que le charaïsme, donc on. Euh...
où ça en est ton financement participatif? C'est débloqué. Donc vous avez accès, hein. Je vais vous remettre ça tout de suite. Cagnotte Litchi, hop, Tagada, hop, j'ai sur mon profil mes cagnottes. On est à 171 euros. Donc, je vous copie le lien. Hop, Tagada, soin de soin, voilà. Aesop qui me dit, tu peux peut-être faire une pause après Salomon, car la fin du livre des rois, c'est pas la joie. Ouais, on va voir ça. Quand une critique du goa-oldisme. Arkish qui dit 613 lois, ça tient pas sur deux tablettes. Non, en effet. En effet. Il a tout gravé avec ses petites mains. C'est-à-dire, alors, il a tout gravé avec ses petites mains. Et comme en plus, il les a pétés, Dieu a été obligé de tout réécrire. Ou le contraire. Dieu avait tout gravé, et puis le truc, et donc, ensuite, c'est Moïse et Aaron qui ont été obligés de tout graver. C'est génial. Lionel qui dit, ça m'embête un peu cette plateforme car je ne peux pas payer avec PayPal. Ah bon? Oh, c'est curieux ça. C'est con. Voilà. Donc, écoutez, merci de votre présence. Merci de votre participation. Merci pour votre soutien, au moins moral. Voilà. C'est quand même. On est combien là? Parce que mon iPad me refuse toujours de me dire. Enfin, le Twitch s'ouvre toujours pas sur mon iPad. Je ne sais pas pourquoi. Erreur de chargement, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le Wi-Fi est en marche. Donc, bon, je ne sais pas. C'est très curieux. Je ne comprends pas. Donc, on va bien voir. Le judaïsme caraïque, quand même, monsieur le baron, je suis de tristesse. Ben non, je ne connais pas. Voici les 15, une des tablettes tombe, les 10 commandements. C'est carrément ça. C'est ridicule. Ice Club qui dit, en tout cas, pas de précipitation sur l'Exode avec les 10 commandements, c'est un centre névralgique de la Bible. Oui, non, bien sûr. Mais je ne vais pas du tout accélérer sur ces trucs-là parce que c'est absolument fondamental. Et tout ce qui se passe est très intéressant et terrible, et surtout toute la conquête de Canaan, etc. C'est une horreur, quoi. Voilà, sur ce, les petits amis, je vois que vous n'avez pas trop de questions. J'ai encore un truc à voir aussi sur le Discord ensuite. Je vais donc vous quitter. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre interactivité. C'est beau, j'utilise des mots modernes. Sur ici et sur le Discord. Merci pour tout. Merci donc de votre soutien moral et financier qui est absolument incroyable. Je tiens à le dire, hein, entre la cagnotte Litchi qui commence, les abonnements ici et surtout les aides voilà, sur Tipeee et sur Patreon. Hein, vraiment, ça me touche énormément. Je vous dis au revoir et je profitez de la vie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et à la prochaine fois. Ciao.